Bon, bah, 11 émissions ensemble, les gars. J'ai envie qu'on prenne un peu de recul, là, aujourd'hui. Si vous deviez définir en un mot, déjà. C'est 11 émissions, c'est 11 semaines, parce que... Ouais, ça fait 11 semaines, je crois qu'on en a pas loupé une seule. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, là, de ces 11 semaines? C'est compliqué, hein. J'ai pas dit que c'était ça. Créativité. Ah, pas mal. Créativité. Pas mal. On a été créatif à peu près chaque émission. Je dirais amusement, peut-être. Parce que c'était vraiment génial à faire et franchement, je me suis bien amusé. Ouais, créativité, amusement, je crois que c'est. J'ai innové aussi. On a innové. Innovation. Innové. Ouais. Eh, y a des beaux mots là, j'aurais pas fait mieux là. Ori en pleine réflexion. Ori, c'est méditer. débrouillard, peut-être. Ah, c'est pas mal aussi, ouais. On sait quand même... Oui, c'est vrai. Moyen du bord, ouais. Avec des bouts de ficelle et des bouts de scotch, on a... Voilà. Ouais. Mais c'est surtout que... Surtout, en fait, qu'on est parti vraiment de rien, en fait. Et je pense que si... À la base, moi, je voulais vraiment faire qu'une émission tous les mois... C'était même ça que j'avais dit, où je disais, si jamais on n'a pas d'idée ou on n'a pas de chronique ou il n'y a personne qui peut nous aider pour faire le contenu, tout simplement, bah c'est pas grave, on repousse. Ouais, c'est ça, là-bas, c'était pas obligé qu'on ait une émission à faire à chaque fois. Mais le truc, c'est que... On est des gueudins. Mais voilà. On a toujours une idée. C'est ça, et on a trop... On a eu... Enfin, je parle pour moi, après... La faute à Vanzi, tout ça. Non mais tu vois typiquement là au début quand on a lancé ce projet moi j'étais en télétravail quasiment tous les jours tout le temps, du coup j'avais plus de temps chez moi forcément et on nous a dit au bureau il faut savoir prendre du temps, faut savoir voilà le télétravail c'est pas on fait du 8h 19h non stop, il faut savoir faire des pauses etc, et du coup je me suis forcé à faire des pauses et ça a meublé mes pauses entre guillemets, ça veut dire que les petits génériques que j'ai fait au départ, c'est ça, je le faisais entre midi et deux, ou je le faisais l'après-midi entre deux réunions. Et au final, maintenant que j'ai repris le boulot, j'ai envie de le faire, mais je peux moins le faire parce que je vais au bureau et j'ai pas les, enfin, je peux pas faire ça au bureau sur le PC du bureau, c'est pas possible. Ouais, et puis toi, tu m'as dit en plus que toi, c'était limite un moyen, enfin, je veux dire, que tu travailles ou pas, enfin, tu vois, que tu ailles au bureau ou non. Quand tu le fais dans tes moments de pause comme ça, c'est limite là où tu es le plus inspiré. Je sais qu'on a eu une discussion hier, tu me disais ça. Tu me disais que bah, c'est limite, tu vois, t'es pas forcément obligé de le faire, mais limite t'as des idées comme ça qui t'arrivent. Oui, ce que je t'ai dit hier, c'est que je suis, enfin, moi je pense que la créativité, elle est, y en a qui sont créatifs en faisant, et y en a qui sont créatifs en pensant. Moi, je suis plus créatif en faisant quelque chose, c'est-à-dire que je vais pas pouvoir composer une musique dans ma tête. Par contre, je prends ma guitare, j'improvise et hop, ça fait quelque chose. C'est pareil pour faire un générique, une vidéo, n'importe quoi. J'ai pas d'idée en commençant le générique et puis en mettant la musique, en mettant, je sais pas, un fond que je trouve sur internet, un fond gratuit en vidéo. Hop, après ça vient. Et... Bah, en général, ouais, la créativité là, elle se fait au fur et à mesure. Quoi. Bah, en général, c'est ce qu'on dit, ça vient en faisant. Hein. Il y a des moments, t'as beau te plonger, je sais pas, dans des réflexions interminables à te dire, vas-y, attends, faut absolument que je pense à ça, faut absolument que je fasse ça et tout. Tant que tu passes pas à l'action. Souvent. Moi, justement, je scripte beaucoup, en fait, parce que pendant mon boulot, j'ai un boulot physique où je marche beaucoup et c'est pas cérébral. Donc, du coup, je réfléchis en même temps à tout plein de trucs, à comment je veux monter mes plans, mes machins, tac, tac. J'ai tout en tête déjà. Après, je rentre, j'écris tout sur papier. Comment sont les plans, tac, plan serré, plan, je m'éloigne, gna, tel décor à tel endroit. J'écris toutes les phrases et après, je filme, après, je tourne. Mais moi, j'écris tout, par contre, je scripte tout. Ouais, mais au moins, ça te permet d'avoir... Ouais, mais c'est ça, qui est, moi, ça qui est bien. Moi, ouais, c'est un peu bâton, vous allez vous marrer, mais moi, en fait, quand j'ai une idée de chronique, c'est... c'est quand je suis au lit, en fait. Moi, je vais dire... Moi, je suis un peu pareil, hein. C'est-à-dire que c'est les moments où je suis tranquille, les moments où je peux penser que... Et puis, c'est limite là où c'est... Je sais pas si ça te le fait, Aldo, mais moi, c'est là où c'est le plus frustrant. Parce que, en fait, c'est là où, j'ai les meilleures idées. Des moments même, j'ai de la musique dans les oreilles quand j'y pense. Et puis, j'ai toutes les images. J'ai toutes les idées. Je me dis, putain, j'aimerais me lever et le faire là, maintenant, tout de suite. Ouais, c'est frustrant parce que t'as toutes les images. C'est clair. Pour plein de trucs, même, j'ai des choses en tête que j'ai même jamais réalisées.
mais que j'aimerais peut-être un jour, mais que je... Voilà, j'ai les idées au lit, mais après, ouais. Il y en a, c'est la douche, ou c'est des bonnes idées. J'avoue, aussi, ouais. J'avoue que ça m'arrive moi, aussi. Moi, la douche, ouais. C'est plus... sans être dans le détail, mais la douche, c'est plus des pensées pas créatives, mais plutôt d'organisation. Ah ouais. Bah, quand je fais la douche, quand je suis sous la douche, souvent, c'est le matin, donc du coup, j'organise ma journée sous la douche. Ça va pas être des nouvelles idées, ça va être de l'agencement d'idées. Ouais. Voilà. Ouais. Et Ori, toi, t'as pas d'idée, c'est ça? Lui, c'est du feeling. Non. Toi, t'as c'est improvisation. C'est spontané, donc ça peut être très bien être dans la douche ou dans les toilettes, faire moins... Carrément, classe. Oui. Ah oui, bah, à tout moment, ça peut arriver à tout moment. Et le plus souvent, bah, t'as une idée, ça va être un peu comme Kishni, plein d'idées, et après, bah, tout va s'effondrer parce que bah, ça va pas être possible, ou ça, la flemme, ça va être trop compliqué, etc. Et du coup, au final, bah, je me retrouve avec une idée un petit peu qui ressemble plus à rien. Ouais, parfois, c'est un peu frustrant parce que tu sais, t'as déjà toute l'idée limite dans ta tête, et c'est pour ça que des fois je me bride moi-même à ne pas trop penser, parce que quand je vais commencer à le faire, je vais voir tout le chemin que j'ai à faire, à parcourir jusqu'à arriver à mon idée. Des moments, c'est ça qui me démotive. Donc des fois, je me force à pas trop penser pour essayer d'y aller étape par étape dans la vraie vie. C'est-à-dire que mes idées ne dépassent pas trop le matériel, la réalité. Parce que si je me retrouve avec un gap comme ça, c'est compliqué. Alors que si j'y vais petit à petit, ça va, mais... C'est compliqué. Mais là où ça ne nous arrive pas avec les chroniques de l'ordre, c'est que, bah, en fait, c'est là où c'est un peu magique. C'est parce qu'on ne se l'impose pas. On sait que c'est pas obligatoire, que ce soit toutes les semaines. Mais limite, c'est une espèce de sorte de challenge personnel entre nous, autant pour nous-mêmes, parce qu'on est satisfait de ce qu'on va pouvoir produire et de ce qu'on va pouvoir montrer, mais aussi, c'est un travail d'équipe. Où on se dit, tiens, si je fais ça et tout, ça aidera telle personne et tout. Et donc, du coup, rien que le fait qu'on ait une sorte de deadline fictive, je pense que la deadline pour réaliser des choses, c'est le truc, c'est l'ingrédient magique. Et je pense qu'on l'utilise pas assez dans notre vie de tous les jours. Mais rien que le fait de se dire, ah bah tiens, c'est dimanche, eh ben, on va essayer de se trouver des petits moments comme ça dans notre journée pour faire ce qu'on a à faire. Ou pour faire ce qu'on veut faire. Et c'est une fois tout ça mis bout à bout, bah, on arrive avec ce qu'on a, comme par exemple le Zori Show, hein, les amours. Ça, les amours, ouais. J'y pensais aussi quand tu parlais de ça. Le Zori Show. Le Zori Show, à la base, moi en plus, et c'est ça aussi qui est trop bien, c'est que moi je vous disais, mais les mecs, c'est impossible. On n'y arrivera pas. C'est pas possible. Après, moi, j'ai pas le temps. Un peu le contexte, mais si tu resitues le contexte un petit peu de pourquoi tu pouvais pas. Bah, moi, je pouvais pas, tout simplement parce que je travaillais. Moi, Valentin, oui. C'est ça, je travaillais. Normalement, j'étais censé travailler. Finalement, j'ai pas travaillé, donc j'ai regardé l'émission comme n'importe quel spectateur. Mais à la base, je devais travailler. Et puis aussi, bah, comme on devait solliciter des gens, il y avait 3 couples, ça veut dire 6 personnes. Donc, ça veut dire qu'il fallait que ces personnes-là soient disponibles. Et on avait un temps très, très court. Et en plus, faut pas oublier que moi, je suis au Canada. Donc, j'ai 6 heures de décalage. Xana et Aiden aussi, donc il fallait... Aiden sont au Canada. Donc le problème, c'est que moi, dès que je finis mon boulot à 16h, c'est 22h chez vous. Et puis moi, parfois, ça m'arrive aussi de faire un peu d'extra au boulot. Donc c'est un peu compliqué de placer ça. Donc en une semaine, 2 semaines, on a réussi à faire ce Zori Show là, des amours. Et voilà, c'est un peu cet ingrédient magique où je dis... Au moment où j'ai dit, allez, fuck, on va le faire. Et puis finalement, Je me souviens même que tu avais dit à Ori, c'était avant que ce soit le bordel, quoi, que ce soit le rush, tu avais dit à Ori, on a le temps de le faire, c'est pour le 14, donc on a le temps. À la base, on devait le faire en direct. Et on s'était dit ça début février. Et on dit, ouais, c'est dans 2 semaines, on a le temps, mais fais comme si il faut le faire pour ce dimanche. Et au final, on a record, donc ça, tu l'avais dit lundi, je crois, lundi soir. Et au final, on a record jeudi et vendredi soir. En fait, 3 jours après. Et en 3 jours, bah, on a fait en 3 jours ce qu'on aurait dû théoriquement faire en 2 semaines jusqu'au dimanche suivant. La magie de la deadline, c'est ça, tu vois. Fais comme si. On veut pas décevoir et on fait avec le temps qu'on a, quoi. Ouais, et puis, mais même. Enfin, c'est pas décevoir ou même. Tu fais décevoir, en plus. Ouais, je pense que c'est ça. Après, moi, j'avais tendance à dire des fois, ouais, mais non, mais c'est pas possible. Autant pour moi, parce que je veux pas me foutre la pression. Je suis déjà quelqu'un qui stresse énormément,
mais aussi je veux pas vous foutre la pression à vous, parce que pour moi, bah, c'est, y a rien d'obligatoire là-dedans, c'est vos vies avant tout et l'émission après. Mais voilà, moi, je pense que c'est ça aussi qui est bien, c'est un peu toute l'énergie, et j'en avais déjà parlé, c'est un peu toute l'énergie en fait qu'on y met chacun d'entre nous, en se disant, ah tiens, je vais le faire parce qu'on le fait de notre côté, mais on sait que ça va être montré, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est un peu cette satisfaction de se dire, oh, ben, je l'ai fait dans mon coin, mais hey, regardez, ça va être quali à la fin, ça va être génial. Donc c'est ça. C'est qui comme est... Crix sur ton pour ton pro, enfin pour ta chronique Archéolo Crix. Au début, c'était pas censé quelque chose que tu voulais. Enfin, au début, t'étais pas censé le faire cette chronique. Au tout début, c'était Archive de l'Ordre. C'était pas censé se cantonner à ça, mais on est parti sur ce projet où moi je faisais Holo News, toi tu faisais Archive de l'Ordre, Aldo l'Interlude. Ori, il était même pas dans le Quatuor au départ. Et un jour, je sais plus comment c'est arrivé l'histoire de l'Archéolo Crix, mais on avait dit. Je me souviens plus comment c'est venu. Dans les chroniques, en fait. De quoi, l'archéologue? Ouais. Pourquoi il a pensé. Vous le proposez à un moment parce que. C'est lui, ouais. De toute façon, l'archéologie c'était une passion et j'ai dû vous dire, bah écoutez, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Ça a été finalement un projet 10 fois plus compliqué que prévu. Mais. c'est toujours comme ça. Mais c'est cool. Bah du coup, voilà, je me suis lancé dans un projet et puis il va y en avoir un certain nombre, hein, je pense. Ouais, ouais. Bah. Hâte de voir ça. Maintenant que j'ai 66. Ma chaîne. Ah, on sait jamais. T'sais. Mais non, mais ça, rien que le truc Archéolo Crix, moi je trouve ça rien que le concept génial parce que ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Tu nous sors aussi de chez nous, hein, parce qu'on en a besoin et ça fait du bien. Mais en même temps, bah, c'est intéressant parce qu'on voit que t'es passionné par ça. Alors, ça fait juste plaisir de le voir, quoi. Et puis, mis à part ça, vu qu'on est sur toi, Ah ouais, il est là. Il est là. Il est plus là où il devrait être. Pendant qu'on est sur toi, je pense qu'on va passer voir un peu tout le monde. Mais il y en a un qui a pris peur, voilà, parce qu'il n'était pas chevalier, alors voilà, il nous en veut. Il est vexé. Il est vexé. Ouais, ce que j'allais dire, je pense qu'il est vexé. Ouais. Non, mais je sais pas, pour avoir un peu tout... Parce que moi-même, je connais pas trop, en fait, vos setups, tout ça, vous, de votre côté, ou comment vous vous organisez, avoir un peu les coulisses de comment vous faites. On a notre chevalier qui est de retour. Mais je sais pas, ouais, Crix, par exemple, enfin, tu vois, on parlait des archéologues Crix, mais aussi, il y a aussi rien que... Enfin, pour moi, l'autre révélation, pour toi, ça a été le Pixel Game. Pour moi, c'était une autre révélation. Tu vois, entre tes archives, par là où tu as commencé, tes Archéolo Crix et puis ton Pixel Game, tu t'es pas mal émancipé. Pixel Game, c'était de la totale impro, quoi. Je suis parti, j'ai pris 3-4 bouts de vidéo, et puis je me suis mis à parler par-dessus, et mais bon. Ouais, mais écoute, franchement, mais je pense que c'est naturel, tu vois. Là où tout est formaté aujourd'hui sur les réseaux et tout, et je pense que tout simplement, ça fait du bien de voir quelqu'un qui est tout simplement naturel, et c'est ce qui plaît. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me plaît. C'est pas forcément, tu vois, il y a une différence. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus populaire, tu vois. Mais par contre, quand les gens s'y intéressent, mais voilà, c'est ça. Quand les gens s'y intéressent, au moins, ça leur transmet des bonnes ondes. Et puis au moins, il n'y a pas de pub pour NordVPN. Red Shadow Legend. Parce que ouais. Tous les autres, enfin toutes les chaînes maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Ouais, on va dire que maintenant, c'est vrai que le schéma qu'il y a sur les vidéos maintenant, c'est tout des pubs, mais on peut le comprendre parce qu'en fait, ce qu'ils veulent faire par là, c'est pouvoir. Ah, on en perd d'autres. Ouais, en fait, ce qu'ils veulent faire par là pour. En plaçant ces produits-là, c'est pour pouvoir utiliser les musiques qu'ils veulent. Et pour qui sont démonétisées. En fait, ah ouais, je comprends. Elles sont démonétisées, mais ils compensent par la pub que ça génère, quoi. Enfin, par le partenariat. C'est ça. Après, moi, je vous cache pas, je suis certaines personnes sur YouTube, notamment pour améliorer mon anglais. Et il y a des trucs quand même qui sont assez redondants, qui reviennent souvent. Alors, je sais qu'il y a une personne, elle fait des vidéos environ de 12 minutes.
t'as 4 minutes qui sont réservées à totalement autre chose. Genre, la vidéo, elle commence qu'à 4 minutes. Parce qu'au début, elle va peut-être parler de son e-book, de machin, je sais pas trop quoi. Elle va parler de comment s'abonner, que si jamais tu deviens membre, tu peux avoir tel avantage, etc. Ensuite, elle va présenter son sponsor, son machin. T'arrives, tu fais 4 minutes de vidéo déjà. Bah, c'est pas grave, je veux dire, c'est aussi une entreprise. Parce que, c'est là où c'est compliqué, YouTube, c'est parce que d'un côté, t'as des gens qui font ça comme moi pour le plaisir, et t'as des gens, c'est leur business. Donc c'est comme si t'avais des entreprises où t'en as, ils s'en foutaient de la pub et tout, et t'en as, c'est leur vie. Donc c'est super complexe, en fait. C'est ça. Super complexe. Mais ouais, Je monte un peu mon dossier là. Ouais, je veux bien. Puis en attendant, moi, je voulais juste dire, pour revenir dans la genèse, quand tu t'es joint à nous, Krik, c'est vrai que, en fait, je crois qu'on s'était jamais bien parlé. Toi, depuis quand, en fait, tu me suivais, toi? Mais moi, je te suis depuis Mandalorian, depuis tes critiques de Mandalorian, les débats. Et je suis arrivé, je crois, au deuxième débat, peut-être. C'est ça, donc c'est super récent, en fait. Toi, c'est super récent. Un peu comme moi. Et direct après, quand il y a eu la proposition de créer les Chroniques de l'Or, Vanji a proposé mon nom. Voilà. Ouais. Tu étais l'élu, c'était toi. Mais justement, pour parler de ça, déjà, on ne se connaissait pas trop. Et donc, on ne s'était jamais vraiment parlé. Et puis, je veux dire, je pense qu'au début, tu étais peut-être assez timide, ou tu vois, réservé et tout ça. Donc, tu sais, moi, j'osais pas trop te demander des choses. C'est des moments où on te demandait de faire les logos et tout, ce qui était super bien. C'était à chaque fois, tu nous amenais des trucs. Moi, je te disais, vas-y. Ça, c'est Krix. Hein. Ouais, ça aussi, ouais. D'ailleurs. Oui, ça, c'est Krix. Ouais. Mais. Après, c'est beaucoup d'idées qu'on a eues ensemble. Toujours. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que au début, ouais, j'osais pas trop parce que tu le faisais, tu vois, t'avais de la bonne volonté, tu faisais tout, mais tu sais, j'avais peur de déranger et tout ça parce que. Et je savais pas si t'allais te poursuivre avec nous et tout ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, à chaque fois, t'en as de plus en plus fait, tu t'es de plus en plus impliqué et tout. Et puis, moi, je trouve ça cool que tu fasses partie de l'équipe, quoi, parce que avec ce que tu nous proposes maintenant. Mais ouais, je veux bien. Moi, j'ai plus plaisir aussi. Je veux bien, ouais, que tu. Alors, je vais partager mon écran, du coup. Alors, comment on fait ça? Tac. Hop. Ouais, c'est vrai que je connais pas un peu vos... tour, du coup. Ouais, ouais, parce que moi je connais pas vos secrets de tournage, vos secrets de un peu vos setups. De toute façon, on va respecter le concept hein, à chaque fois que tu découvres. Donc là, normalement, vous avez mon script pour la première émission. Non, là on voit Discord. Merde, putain, c'est encore planté. Je recommence. Je suis mauvais. Ah, voilà, c'est celui-là qu'il faut prendre. Ben là. Hop. Voilà. Non, ouais. Il y a 7 pages. C'est ce que tu dis, t'écris tout. Et après, t'as des avec couleurs différentes pour dire si c'est oui, du texte, si c'est couleurs, si c'est en extérieur, si c'est la petite voix, si c'est gna gna gna, etc. Voilà. Classe. Et maintenant, le dossier. Ça, c'est le dossier Archaeolocrix avec le dossier d'Aquis Segest. Il est là avec toutes les images. Oh là là. Spoil-nous pas. Hein. Ouais. Toutes les vidéos. Et je vais pas trop vous montrer. Du coup, ça, il se passe trouver. Vite pour pas nous spoiler. C'est nul. J'ai vu la vidéo Homer. Avec les projets futurs, et vous regarderez pas. Oh merde, on va pouvoir mettre pause au replay. Ouais, y a pas tout noté. Voilà. Non, mais c'est sûr. Et après, y a pas forcément des archives de l'ordre, tu vois. Mais ces petits éléments là, ouais, c'est cool à voir. C'est cool à voir. Et de toute façon, moi, dans tous les cas, j'ai hâte aux prochaines Archaeolocrix, Pixel Game. En plus, je crois que tu as des idées de toute façon, tu disais. Pixel Game, oui, j'en referai, je pense, pareil hein, pour ma chaîne, comme ça, il y en aura aussi. Puis... Ouais, bah ouais. D'ailleurs, ouais, parce que t'as commencé à les poster sur ta chaîne. T'as eu des retours ou... Pour l'instant, j'ai mis que le premier Archaeolocrix. Parce que je veux refaire un peu peut-être le générique de Pixel Games et faire un petit générique de fin aussi. Dommage, je pense que je mettrai aussi mes vidéos de présentation de jeux de société aussi. On peut toujours faire mieux, Kishni. Ouais, mais je suis amoureux de la musique en fait. Je suis amoureux des filles. Il y a le Sonic dedans et tout. C'est pas. Mais non, mais. Ah ouais, c'est sûr qu'on peut toujours je faire mieux. Je pense que tu vas garder la musique générique. Tu m'as demandé la musique, il va peut-être la garder. Ouais, mais je suis juste un résistance au changement. Mais vous allez me faire un truc génial et je vais adhérer. Ah non, le générique. Moi, je change rien. C'est-à-dire qu'il change de générique pour sa vidéo sur sa chaîne. Pour nous, pour l'émission, Pixel Game.
D'accord. Oui, mais s'il met le générique au début de sa vidéo, ça va pas faire deux fois. Ah, ça oui. Eh oui, je vais pas lancer le générique et lui, il va mettre le générique dans sa vidéo. Eh ouais. Mais d'ailleurs, j'ai une autre question parce que. Je mettrai pas le générique si on fait comme ça. Enfin, c'est pas. J'ai une question pour revenir et pour finir. On revient au début, les archives de l'ordre. Est-ce que tu as d'autres idées pour en faire? Est-ce que tu penses refaire ce concept-là? Oui, hein, bah, si on reste sur du Star Wars, je peux tout à fait. C'est vrai que là, on quitte petit à petit Star Wars pour aller vers d'autres horizons. Mais oui, j'aurais voulu faire un truc sur les femmes dans l'Empire. Je pouvais parler des grandes entreprises galactiques. Il y a eu plusieurs projets. Hein, c'était pas... ouais. J'avais déjà noté quelques points. Hein. Moi, il y a des sujets qui m'intéressent et que j'ai pas trop suivi parce que c'est un peu compliqué. Mais par exemple, un truc là que j'y repense parce que j'ai vu les discords sur les casques des clones, les phases des clones, les différentes phases de clones et les escouades de clones. Je m'y connais pas assez personnellement pour ça. Hein, par contre, c'est... bon, faudra demander à d'autres abonnés de demander faire des chroniques. À Jean-Lex, ouais. Ou à Anthony. Ou à Wellstone. Ouais. Ouais, parce que de toute façon, c'est vrai que bah là, on n'est pas enfermé dans des concepts ou dans des chroniques ou dans des personnes. Mais c'est vrai que bah déjà, moi, je suis content qu'il y ait eu autant de personnes parfois qui se sont greffées au projet, qui nous ont envoyé des petites vidéos. Ou je pense là, comme ça, juste un exemple pour la Saint-Valentin où il y a Omega comme ça qui s'est greffé avec sa petite vidéo. Ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai que si à l'avenir, on pouvait même encore plus s'émanciper avec d'autres personnes qui proposent, mais ça tient qu'aux personnes et après, on ne peut pas leur forcer. 3h30. Ah ouais, mais non, là il faut vraiment qu'on partage le contenu, limite qu'on l'étale, mais non, mais c'est juste, c'est sûr qu'on ne peut forcer personne, c'est juste voilà, si ça intéresse, mais déjà ce qu'on a eu et ce qu'on a, c'est déjà génial. On a tellement d'idées que rien qu'à 5, on arrive à contenir, à remplir des émissions. Donc, Il y a trop de sujets. Mais oui, et puis même, moi, quand je regarde mes scènes, j'ai des scènes remplies. Oui. Il y a des concepts qu'on a fait genre limite qu'une fois, qu'on n'a même pas refait. C'est ou ça. Que... C'est-à-dire que typiquement, le Spotlight, on en a fait un. Ah, ça me dirait bien d'en faire, par contre. Ah, j'ai ouais. J'ai le Spotlight en tête aussi, ouais. On avait même parlé d'un Spotlight qu'on pourrait faire ensemble sur un certain sujet animé. On en a juste fait un deuxième, c'était le Spot Love. On a fait un Spot Love. Spot Love. Mais attention, ça coule un peu. Mais en fait, je pense qu'on s'est un peu emballé, mais c'est pas grave en soi. Mais le fait, au début, on avait chacun, voilà, Holo News, machin, et on s'est dit, bah, pour attirer les gens, il faut faire d'autres chroniques. Bah, typiquement Spotlight, j'en ai fait un alors que j'étais pas censé le faire, c'était pour donner à ceux qui aiment bien le cinéma d'en faire une. Les jeux, c'est pareil, les amours, c'était une spéciale, mais on a fait les amours, on a fait le comment on appelle ça, je sais même plus comment il s'appelle, le Chosen One, le marché du cartel, finalement n'importe qui pourrait le faire, enfin je dis c'est pas n'importe qui, c'est qu'en fait tout le monde peut faire toutes les chroniques, et je sais plus qui me disait l'autre jour, moi je serais intéressé pour faire des Holo News, mais vu que tu parles de Star Wars et tout ça, je vais faire des Holo News qui parlent pas de Star Wars. Et j'ai dit, ben non, mais en fait, tu peux faire une Holo News à toi tout seul. Mais oui. Et enfin, c'est pas mon. Il dit, ouais, mais c'est toi qui l'as fait en premier, c'est ton concept et tout. Je dis, non, c'est. Enfin, je pense qu'on va pas faire une émission, une chronique par personne, parce que ça va devenir ingérable même. Mais c'est ça le piège, c'est que quand t'as beaucoup de fois la même personne qui fait la même chronique, les spectateurs, auditeurs, viewers se disent, ah, c'est la sienne. Et ils se voient mal interférer là-dedans, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais c'est normal. Mais oui, bon, c'est normal. Il faut bien dire que, ouais, c'est... Moi, tu vois, par exemple, je m'étais dit un jour comme ça, ça serait bien, par exemple, que, je sais pas, moi, Ori fasse des Holo News, moi, je fasse une Archéolocrix, juste pour casser le code dans la tête des gens et dire, ah oui, c'est vrai que c'est pas leur chronique. Et... C'est vrai. Bon courage. Pour faire quoi? Archéolocrix. Je voulais dire Archive de l'Ordre, pardon. Mais moi, je veux bien tenter un Archéolocrix si je fais le tour de Québec ou... essayer d'aller regarder des trucs. Je peux essayer dans Québec, la nature. Je peux essayer. Je vais essayer des trucs. Moi, ça m'intéresse. Hein, si tu trouves des trucs archéologiques sur les Indiens du Québec. Je peux tenter. Moi, il y a un truc que... Ça, c'est, je pense que je le ferais... Enfin, voilà quoi. Moi, je suis pas encore très... Enfin, j'ai encore du mal. Mais ce qui pourrait être une idée pour moi, quand vous parlez d'un Archéolocrix, je pourrais très bien faire un Archéolocrix genre sur la Bretagne, il y a beaucoup de légendes et de... C'est vrai.
Et moi, ça m'intéresserait énormément, je te dis, parce que moi, je suis jamais allé en Bretagne, et c'est justement pour ces genres de choses-là. Puis en plus, dis-toi que ce serait des trucs enregistrés, donc il suffit que tu aurais quelqu'un pour tenir la caméra ou que tu aies un pied pour... Après, ouais. C'est sûr que c'est assez complexe si tu peux avoir des personnes qui t'aident là-dedans. Mais même dans le making-of, on se donne des futurs projets, quoi. Ah ouais, non, mais on nous arrêtera jamais. Insatiable. Non, on nous arrêtera pas. Enfin, après, typiquement, moi je vois, hein, j'ai fait du tri tout à l'heure sur mon dossier générique, et en fait, j'en ai une vingtaine, quoi, des génériques. Mmh. Alors qu'à la base, on était censé faire le générique de l'émission. Bon, là, c'est toi qui l'as fait le décompte, c'est pas vraiment un générique. Mais... Et après, bah, on avait cinq, à la base, on avait quoi, quatre chroniques, Holo News, Archéolocrix, Interlude, et les jeux. Archives de l'ordre. On avait... Oui, pardon, excuse-moi, Archives de l'ordre, à chaque fois je confonds. Et les jeux, on avait deux jeux, on avait Kiadi et Les Ombres. On avait que ça, entre guillemets. On avait 5 génériques. Et puis maintenant, j'en ai 20. En 11 semaines. Ça veut dire que j'ai quasiment fait 2 génériques par semaine. Ça veut dire qu'on a ajouté du contenu toutes les semaines, au lieu de réutiliser ce qu'on a fait. Ça veut dire qu'on a de quoi faire, quoi. Ah oui, mais même, c'est clair. C'est clair qu'on a, on serait jamais en reste, en fait, au final. Et puis, en plus, on veut réduire le temps des émissions, parce que c'est trop long pour moi. On aurait toujours de quoi, normalement. C'est clair. C'est la faute à Benji. C'est la faute à Benji. Et je suis désolé, mais à la dernière émission, c'est les amours qui ont duré 1h20. Moi, mon spot love, il a duré 15 minutes. Hein. Ah, et enfin, Benji, il a fait que tenir la manche 2 et mettre les cœurs. C'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà beaucoup. Entre j'ai plus le papier, mais bon, je l'aurais bien fait. Les chroniques sur la Saint-Valentin, c'est vraiment le truc... on a improvisé tout, donc s'il y a des trucs qui vont pas, c'est compréhensible, quoi. On n'a pas vraiment pu faire comme on voulait vraiment, exactement. Donc c'est normal si c'est trop long ou s'il y a des trucs qui vont pas. Mais je vais te dire, pour le résultat qu'on a eu et pour le temps qu'on a mis pour le préparer, le peu de temps qu'on avait, je trouve que c'est énorme ce à quoi on est arrivé. C'est exceptionnel. Toi, Ori, on voulait les questions, tu vois. Mais oui, je les ai. Elles sont où ces questions? On fait le tournage demain, quoi. Mais oui. Ils se connectent au Discord. En fait, lui, il les avait fait. Il les avait fait. Ah, je supporte pas faire le truc à la dernière minute. C'était et en plus, on a failli perdre le questionnaire numéro 2. Ah oui, oulala. Genre, une demi-heure avant l'émission, on se rend compte que Mo n'avait pas répondu au bon questionnaire. Enfin, le questionnaire auquel il avait répondu était planté. Il n'y avait qu'une question sur 3 et on a dû le refaire parce qu'il avait planté. Enfin, l'arrache. Donc, même ça, c'était pas au courant, tu vois. Ouais, bah ça, c'est ce genre de choses qui peuvent arriver. Mais tiens, tant qu'on est sur toi, Ori, donc toi, t'es arrivé après, hein, sur... T'as été... Après, Ori. Ouais, c'est vrai. Arrête. Non, mais... T'as été adoubé. Tu as été adoubé comme il se doit parce que tu as rejoint l'équipe. Et il faut savoir qu'au tout début, toi, t'es en fait, c'est arrivé avec avec les awards en fait, avec les Kishni Awards. Toi, t'es arrivé avec une idée. Tu m'as dit, tiens, Kishni, ce serait bien pour la fin de l'année d'avoir une sorte de sondage en fait où les gens peuvent voter pour le personnage préféré et tout. Et en fait, encore une fois, on est parti d'une chose. Moi, je t'ai dit, bah ok, je vais prendre ton idée et puis c'est parti. Je sais pas si tu te souviens de nos échanges qu'on a eus. Et je t'ai dit, bah ouais, vas-y, ça peut être trop cool. Je vais y réfléchir de mon côté, on va faire ça. Et au final, ça s'est passé où moi, j'ai passé des jours et des jours à créer tous les petits génériques de révélation des personnages et tout ça, à ajuster et tout, à faire le décompte avec le 10, 9, 8, etc. La révélation, machin, je m'en suis vu. Parce qu'en plus, Vegas, il arrête pas de planter. Faut que je change de logiciel de montage parce que je m'envoie en ce moment. Mais c'est parti d'un truc. Vas-y, on va faire un sondage. On va élire le meilleur personnage à une cérémonie. Limite avec en plus après Vanji qui s'est greffé en nous faisant des espèces de fond, une intro et tout, hyper quali comme d'habitude. Et en fait, c'est devenu limite le clou du spectacle de l'émission numéro 2. Mais si tu veux un visuel de montage excellent qui plante pas, qui prend PowerPoint. C'est vrai. Ouais, mais je peux pas faire tout ce que je veux. Surtout que pour la petite histoire, il me semble que j'avais proposé le projet et t'avais dit un truc du style ouais, ça a l'air sympa et tout. Et moi de mon côté, j'ai fait tout le questionnaire, vraiment complet avec toutes les questions, même plein de questions qui avaient rien à voir. Trop. Et je travaillais à l'aveugle parce que je savais pas si t'allais dire ah ouais, c'est bien ou oh non, on va pas le faire, c'est nul.
coup, je travaillais, mais en fait, à l'aveugle. Et quand je t'envoyais le truc, t'as dit, ah ouais, mais c'est bien et tout. J'étais comme ça, en mode, je vais pas travailler pour rien, parce que... Ouais, mais tu vois, déjà, tu l'as fait sans savoir. Sans savoir. Non, je dis, tu l'as fait sans savoir. Que, oui, voilà, que je faisais le truc, mais c'est... moi je savais pas si je faisais bien ou si t'allais accepter de le projet. Hein. J'ai pas compris ce que t'as dit, Benji. Je sais plus. Ah, si, j'ai dit à la base, t'en avais fait beaucoup, mais t'as dû enlever un peu de questions. Ouais, j'ai un peu beaucoup. De toute façon, même avant que tout le monde reçoive, il y avait déjà trop de questions de base. Et j'avais même dit, ouais, ce serait bien que je fasse sur les planètes ou les véhicules et tout. Et Kishin m'a dit, ah, c'est trop. Ouais, il y en avait c'est vrai qu'il y en avait un peu trop. Mais c'est vrai que, au final, on s'est retrouvé avec carrément une nouvelle scène sur. C'est devenu, ouais, une cérémonie officielle, quoi, limite. Et puis, avec des. Et puis, ça a vraiment plu à beaucoup de monde. Je me souviens, tout le monde était très enjoué, tout le monde était très à fond. Non, moi j'étais déçu que ce ne soit pas Obi-Wan, le personnage principal. Ouais. mais pour la petite histoire, il est resté un bon moment, premier. Seule la victoire compte. Mais c'est aussi le problème, c'est que nous, de notre côté, moi et Kishin, on voyait l'évolution des persos, et au début du sondage, c'était pas du tout prévisible. T'avais des persos qu'à la fin... Et au final... C'est ça que je suis un peu déçu du Kishin Award, c'est que, en fait, à la fin, les gagnants, c'était des trucs que, entre guillemets, c'était prévisible, quoi. Des trucs que c'était plus ou moins évident, alors qu'au début, ça jonglait, ça se battait, il y avait vraiment. C'est vrai. Je pouvais pas deviner qui est-ce qui allait gagner. D'ailleurs, pour les coulisses, moi, je devais préparer chaque fois les montages pour chaque personnage. Donc, j'allais chercher les images, j'allais chercher les machins et tout. Et en fait, le truc, c'est que pour chaque sondage, quand il y en avait 3 ou 4 qui étaient pratiquement les uns à côté des autres, je faisais 4 vidéos différentes pour me dire s'il y en a un qui passe devant l'autre au dernier moment. Fallait voir mon Streamlabs à quoi il ressemblait pour les Kishin Awards. Hein. C'était un truc avec... attention, alors si celui passe devant, tu mets celui-là. Sinon, c'est celui-là. Oh là là. Et puis pour chaque catégorie, c'était... Parce que moi, c'était du direct. Parce que le gagnant, il pouvait changer à... Au dernier moment. Après, il faut arrêter les votes au bout d'un moment. Ça... C'est ce qu'on a fait, ouais. C'est vrai qu'au niveau des votes, c'était aussi pirate. On savait pas si on allait arrêter avant ou si on arrêtait le jour même. C'est vrai que. Ah ouais, non, on les avait pas arrêtés. Non, non. Parce qu'on s'était dit non, pendant l'émission, il y en a encore qui vont voter, donc on l'a arrêté à la fin de l'émission. Pendant l'émission. Ah oui. Vous êtes dans, on s'auto-met des bâtons dans les roues, quoi. Carrément. Carrément. Non, non, mais ouais, c'est ça. C'est quand on fait des projets vraiment à la dernière minute. On n'a pas le temps de. Bah, au final, on a réussi. De visualiser. C'est ça, je trouve ça génial quand après, en plus, c'est quand c'est tout prêt que tu y arrives et tout, et que tu balances genre des génériques, tu balances des machins, que les personnes, en fait, je veux dire, ce qui est marrant, c'est que les personnes, ils sont là, ils regardent, mais je veux dire, on n'est pas du tout une émission professionnelle et tout, et quand des fois dans le chat, je vois des retours, waouh, ça c'est trop une bonne idée, ou waouh, le générique, ou l'intro, waouh, trop bien, ou putain, la qualité et tout, tu sais, quand tu vois rien que ces commentaires-là, tu fais. Ça fait plaisir, parce que tu sens une sorte de reconnaissance de ce que t'as fait, même si à la base tu la demandes pas, parce que tu fais ça pour le plaisir. Mais des moments, j'aimerais bien me mettre à leur place et me dire, je vais juste regarder un live de quelqu'un qui va juste faire ça. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, et puis en fait, ils voient des trucs parfois qui sont même épiques et tout, et puis tu fais, ouais, quand même, c'est. Je sais pas comment ça doit être à leur place, mais voilà, c'est. Le tout, après ces 11 émissions, c'est quand même... Moi, j'ai la double... La fierté. Par reconnaissance, parce que c'est, comme tu dis, c'est pas ça qu'on recherche. Mais quand tu vois que ça plaît, c'est forcément... Comme quand t'offres un cadeau, c'est pareil. Quand t'offres un cadeau, ça fait plaisir quand la personne apprécie le cadeau. Ça sert absolument. À ça. Voilà, je dis pas qu'on fait un cadeau à la communauté en faisant ce genre de vidéo, ça serait présomptueux. Mais c'est un peu... Voilà, on offre quelque chose, on met quelque chose, et si ça plaît, tant mieux. Sinon... on le ferait pas, enfin. Tu vois, moi j'ai double plaisir, c'est que quand je fais un générique, j'ai triple plaisir, moi. Parce que j'ai mon propre plaisir à le faire et à le regarder, dire ah, putain, c'est trop bien, ça claque, c'est bien rythmé avec la musique et tout. Moi j'adore des trucs simples visuellement, mais quand la musique elle cale avec l'image, le rythme, il y a un truc qui s'affiche pour la musique, elle se cale, enfin, ça c'est pour moi, c'est ça le bon montage, c'est que la musique elle suit ou l'image suit la musique. Et donc après, je l'envoie à Kishin. Parce qu'en fait, moi, je l'upload sur YouTube en non répertorié. Ma chaîne YouTube, c'est que des vidéos non répertoriées.
D'ailleurs, je pourrais vous montrer si vous voulez ma liste de vidéos non répertoriées. Tu devrais la renommer Van non répertorié ou Vanji non répertorié. Vanji la régie. Et j'envoie le lien à Kishni de la vidéo. Et du coup, il la regarde. Et bah, il me dit c'est arrivé quelquefois de me dire ah, ça serait bien que là tu fasses un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça. Donc je le retouche, je le réupload. Surtout tout. Au début. Donc, mais ça, je sais pas si t'as remarqué, mais les dernières fois, limite, plus, ouais. c'est tellement parfait déjà quand tu me l'envoies. Mais limite. Hier même, tu m'envoies un truc, je t'appelle carrément pour te complimenter parce que par écrit. Pour le générique d'aujourd'hui. C'est ça. J'ai carrément appelé pour te dire non, mais là, t'es un malade mental. Je l'ai appelé directement. Limite, tu m'as engueulé parce qu'il fallait pas le faire. Ouais. On avait dit qu'on ferait rien de préparé. Gentiment, évidemment, mais j'étais super heureux. Enfin, j'étais super content avec ce que t'as envoyé. J'ai fait putain. Et après, troisième satisfaction, c'est quand je vois que ça passe bien dans l'émission, que c'est. Que ça suit le rythme et que les gens aiment bien. Quoi. Ouais, c'est clair, ça c'est sûr. C'est sûr. Donc c'est un aboutissement en fait un peu du travail personnel qu'on fait. Et puis en gros, c'est un bonus. C'est un bonus. On fait des trucs par plaisir et puis si ça plaît, c'est un bonus. C'est un bonus. C'est bon. Ouais. Ça fait plaisir en fait. C'est un peu comme si, comme disait Vanji, mais un petit peu plus illustré. Que tu reçois un cadeau que t'avais pas demandé en fait. Ouais. Que tu reçois quelque chose de quelqu'un qui te donne un cadeau et. Bah, c'est pas ton anniversaire, il n'y a pas de raison spécifique qui te donne le cadeau. T'as rien demandé, t'es comme ça, t'es content en fait. Et exactement. C'est pareil pour. Et c'est ça qui fait le plus plaisir en général. Parce que c'est quand c'est pas une occasion spéciale et. Pour moi en tout cas, j'attends pas spécifiquement de congratulations, mais c'est vrai que. Surtout que moi je suis quelqu'un de perfectionniste et. La plupart des trucs que je fais, je suis pas du tout content parce que c'est pas comme je veux ou j'ai mal fait un truc comme ça ou bah c'est normal quoi et que les gens disent ouais c'est bien nanana. T'es comme ça tu vois ça fait plaisir de parce que bah déjà c'est pas de ton avis t'es comme ça ah non j'aurais pas dû dire ça critique et tout comme j'avais dit quand j'ai voulu racheter un micro je me suis entendu j'ai fait ouais non c'est pas possible c'est horrible je vais devoir racheter un micro exprès parce que c'est mais Chris il a fait pareil. Ouais c'est vrai que vous avez investi en caméra en micro et tout ça, ouais. Moi j'ai acheté une webcam. Alors je l'ai acheté aussi pour le télétravail. Ouais. Les écouteurs. Pourtant ça va, on t'entend bien. Ouais, ton son est bon. Moi je vais devoir acheter aussi un casque, je pense. Et quand tu vois les retours sur le chat, parce que c'est vrai que moi pour la plupart des chroniques que je fais, les chroniques, j'en fais deux je crois, j'en fais une, je suis pas les messages en fait, donc je vois pas quand les gens envoient des commentaires positifs. Et quand je regarde la vidéo, je suis c'est sympa et tout, c'est touchant en fait. Ouais, plaisir. Parce que t'as des retours, c'est ça. Mais d'ailleurs, pour continuer sur toi, Ori, là pour moi, la révélation aussi, c'est tout ce qui est, tu vois, présentateur, que ce soit pour les jeux, tu vois, tu te portes volontaire pour ça. Et tu vois, rien que pour genre le Chosen One, déjà l'idée est excellente. Mais en plus, tout ce qu'on a fait autour, que ce soit... en fait, rien que la personnalité que tu y apportes, tout simplement, qui s'est retrouvée dans les amours aussi, mais en fait, t'arrives à jouer le présentateur tout en étant naturel et en plus en ayant une patience éternelle que je n'aurais jamais. Parce que, par exemple, les fois où tu relis les questions, doucement, clairement... Faut que tout le monde comprenne. C'est un truc que moi, j'aurais pas la patience, mais je t'admire pour ça, et c'est ce qui fait tout, dis-toi. Vraiment. Tu vois, quand, pour les amours, tu répétais et tout, c'est excellent. Bah, surtout que, bah, comme j'ai déjà dit, je suis dyslexique. Donc, il y a des moments où je lis, et je sais que je vais pas lire correctement. Et surtout que, quand Van Gilles, on a refait les questions et tout, et quand on a refait les questions, bah, c'était pas les phrases... qui moi m'arrange dans la façon de lecture. Ouais. Et donc du coup, quand j'ai regardé la diffusion des amours, j'étais dans... mais ouais, mais là j'ai mal lu le truc alors que. Ouais, vrai, mais nous on le voit pas, on le voit pas. On est toujours plus critique avec soi-même que les autres le sont. Mais oui, parce que en fait, plus t'es perfectionniste, il faut voir ça comme une jauge, tu vois, une jauge de. Au début, tu vois, t'as rien. T'as une jauge des attentes des gens qui est à peu près mieux parce qu'ils attendent pas forcément grand chose. Tout dépend comment est jaugée la hype des gens. C'est là où c'est dangereux quand les gens commencent à se hyper. Là, ils ont pas beaucoup de hype. Mais toi, tu places la barre très haute en étant perfectionniste. Et même si t'atteins pas le haut de la barre, tu vas peut-être être un peu en dessous. Mais par rapport à ce qu'attendent les gens, ce sera toujours au-dessus. Donc en fait, tu dis, ah, c'est pas ce que moi j'avais espéré. Moi, j'avais espéré là. Mais les gens, ils espèrent que ça, tu vois. Donc, tu leur donnes ça.
Un jour, ça se rejoint et c'est là où c'est difficile de tenir le rythme de... Oui, toi, je pense que tu parles surtout pour tes HoloNews. Surtout parce que tu dis que t'as déjà passé la barre haute. Je passe, je pensais aux séries, en fait. Les gens sont pas critiques au début d'une série, souvent. La saison 1, ils aiment bien, 2, 3, puis au bout d'un moment, 4, 5, souvent, on dit qu'il faut s'arrêter là. C'est parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se renouveler. Donc la saison 1 est souvent la meilleure. Enfin, je dis souvent, moi, je suis plutôt bon public, mais souvent, on retient que la saison 1 est la meilleure. Non, Mandalorian. Ouais, mais Mandalorian, finalement, est-ce que c'est... Oui, c'est parce qu'on est fan, donc du coup, on est... Moi, personnellement, je sais que je vois pas les défauts. Donc, tu montres à quelqu'un d'objectif. J'ai regardé l'intégrale dernièrement, saison 1 et 2. La 2 est au-dessus. Hein. C'est vrai. C'est Mandalorian. Ah ouais. On va pas faire un débat Mandalorien, mais non, c'est pas mais, un débat mais ouais, ça, on pourrait en parler longtemps. Ouais. Bah, je sais pas, la saison 1, c'est la découverte, la saison 2, il y a plein de... Quand on me demande ta qualité ou ton défaut, ou tes qualités, tes défauts, je sais pas si le perfectionnisme... C'est un peu comme la curiosité, tu vois, il faut être curieux, mais pas trop, et il faut être perfectionniste, parce que si... Mais pas pour briller aux yeux des autres, il faut être perfectionniste pour déjà dire, ok, ce que j'ai fait, ça me convient. Pour soi. Si ça te convient pas, tu refais jusqu'à ce que ça te convienne, et puis c'est pareil, des fois, je joue de la musique, je joue jamais devant personne, enfin, devant quelqu'un, je joue pour moi, et si ça marche pas, bah, je recommence pour moi. C'est-à-dire qu'il y a personne qui va me juger, de toute façon. Donc le perfectionnisme, c'est aussi pour soi, hein. Enfin, c'est surtout pour soi. Ouais, ah oui, mais moi, je pense que c'est exclusivement pour soi, parce que de toute façon, ce qu'on fait, c'est pas forcément bien, mais on veut que ce soit quand même mieux. Alors que si ça se trouve, c'est très bien, ou si ça se trouve, c'est nul à chier. De toute façon, ça dépend. De toute façon, les gens sont gentils, ils vont jamais dire que c'est nul à chier, t'inquiète pas. Pour le truc, mais nous, ça va jamais nous plaire parce qu'on sait qu'on aurait pu faire mieux et on peut toujours faire mieux, mais à un moment donné, c'est bien en fait. Mais exactement, c'est là où c'est bien, c'est là où c'est cool parce que moi, j'ai plein de souvenirs comme ça, même que ce soit à l'école où j'avais des camarades qui voulaient absolument le top du top, puis ils ressortaient de leur présentation orale et puis ils étaient déçus et tout. Et je leur fais, mais mec, t'as eu un 18, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Tu vois, alors qu'en fait, mais c'est parce que... Oui, mais j'ai pas dit ça comme il faut et tout, mais c'est parce qu'en fait, on se met trop des... On veut absolument... Mais c'est bien, quelque part, parce que... On au moins notre vie. Ouais, c'est... Mais un peu, on se dit, bah, on n'a pas atteint ce qu'on voulait, mais tout ce qu'on a donné, au moins, c'est déjà exceptionnel. Mais aussi, pour finir, sur ce que tu proposes, Ori, le marché du cartel, je suis... amoureux aussi. Mais attends, avant le marché du cartel, quand même, je veux finir aussi sur le Chosen One, j'en ai pas assez parlé, mais Chosen One, j'adore la formule, et j'adore comment c'est amené, comment on présente ça, et puis même, je veux dire, c'est simple en plus. Mais je sais pas, j'aime beaucoup des Chosen One, j'en aimerais à toutes les émissions, limite, c'est trop marrant. On en fait un maintenant ? Allez, on en fait un. Ouais. C'est gentil. Mais pour finir, ouais, le cartel aussi, ça sort... Enfin, faut dire que pour moi... Souvent, vous discutez beaucoup sur le salon débrief et parfois, moi, je suis pas tout parce que je peux pas tout lire, parce que je suis pas toujours là, parce que c'est pour ça qu'aussi vous me voyez beaucoup épingler des trucs pour que, ok, je les regarde à ce moment-là quand je peux et tout, ça m'aide énormément. Mais je pense que le cartel, ça fait partie des choses qui ont un peu fleuri dans le jardin à côté de chez moi où j'ai pas trop vu ça fleurir. Et on est venu cueillir une fleur et on m'a dit, voilà, tiens, allez, c'est ça qu'on va faire. Et limite, je l'ai découvert totalement entre le générique, entre le contenu, etc. Et puis, je trouve que c'est tellement génial. Autant le générique qui se passe un peu... Je crois que t'as pris des images sur le Disney World. Enfin, le Star Wars... Le parc, le truc, là, machin. Ouais, et puis bah autant la musique que toi, ton jeu de... Ouais, bienvenue sur le marché du cartel et tout. Et puis, comme tu te prends au jeu aussi, et rien que les babioles, en fait, que tu présentes, comment tu les présentes, et que toutes les petites histoires que tu mets à côté, tu sais, c'est ça aussi qui est fameux, qui est typique de toi, Ori, c'est tout ce que tu vas ajouter. Genre, dans les amours, tu vois, dans les questions, c'est simple, tu vois, mais genre, hot, une planète glacée, oui, le froid, j'aime ça, tu vois, ces petits machins. Il faut que ça rime. Oui, bah, ouais. Et puis... Mais même après, au-delà de ça, ça vient pas de moi, c'est propre à l'émission des amours en fait. Ouais, mais t'as adapté avec tes phrases. Mais regarde, mais regarde le cartel. Le cartel, tu vas présenter un truc, je sais pas, par exemple un truc qui me restera à l'esprit. Un jour, vous allez le voir à côté de moi. Hein. C'est le truc de popcorn. Je vous le dis, il y sera. mais ce truc, tu vois, tu t'es préparé. Bon, il y a beaucoup de feeling parce que toi, t'es très feeling comme tu dis, très un pro. Mais
tu vois, t'arrives à trouver des trucs, voilà, enfin des images qui vont avec ton texte et tout, des mises en situation, des trucs drôles et tout, et puis même si c'est parfois juste de l'impro, bah c'est, ça vient de toi et c'est là où c'est encore plus naturel, et ce qui fait que bah du coup tu imprimes ta marque, tu vois, sur le cette chronique, sur ce jeu, sur cette et c'est ça qui est génial. Moi je sais que ce soit les awards, que ce soit le Chosen One, que ce soit le marché du cartel, on disait au début que ça pouvait pas être fait par une autre personne. Bah, tu vois, c'est comme pour moi, des fois, des... Ouais, je sais pas, des acteurs, des fois, tu dis, bah, cet acteur, moi, ce que je vois l'acteur, je vois pas le personnage qui joue. Tu vois, un peu comme, je sais pas, comme Robin Williams ou Tom Hanks, ou j'en sais rien. Mais là, c'est un peu pareil, tu vois, je vois pas la chronique, je vois la personne qui le fait. Et limite, tu vois, le marché du cartel, comme on disait tout à l'heure, on dit, n'importe qui pourra le faire. Ah, moi, j'avoue, je te vois mal. Sur le concept, et puis, non, mais sur pareil le concept, pour le Chosen One. On peut le faire en théorie, après, c'est sûr que sur l'animation... C'est... Mais clairement. Ah, ce serait différent. Ah. Après, pour le coup, alors je sais plus c'était qui, mais il y a quelqu'un qui a remplacé quelqu'un d'autre pour une chronique. Il l'a fait à sa façon, il avait mis une vidéo. Oui, c'était les Holonews. Holonews. Et voilà, il avait fait les Holonews. Et au final, c'était différent et c'était intéressant de voir une autre façon de présenter le truc. Donc je suis sûr que, bah, même si ce serait. Bah, c'est pas le but en fait de faire avec ma patte, en fait, c'est de faire avec la patte du chroniqueur qui va le faire en fait. Ça va être différent et. Justement, on va se dire, waouh, du coup, lui, il fait ça comme ça, d'accord, etc. Je suis sûr que Vanjie, s'il devait faire le marché du cartel, marché du cartel, je serais moins à l'aise parce que je sais que derrière, t'as mis une grosse empreinte. Par contre, je serais tenté d'animer un The Chosen One une fois. C'est pas qu'un jeu de nom, hein, donc. Un The Chosen One. Alors, on n'avait pas d'idée pour ce jeu et le nom de The Chosen One. Oh là là, de l'élu. Et mal barré pour la présentation. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que t'as vraiment raison là-dessus. Oui, vas-y. Non, je dis, je vais juste remettre une petite parenthèse. Bon, j'ai dit plein de fois, mais les visuels des trucs, des chevaliers de l'ordre, rien que les amours, le Chosen One, il y a des trucs qui sont des visuels, même Pixel Game. Enfin, il y a des trucs où tu regardes l'émission et c'est beau en fait. C'est beau, c'est bien fait. Il y a des trucs comme ça. Mais là, quand tu mais ça c'est lui, ça c'est lui là. Et c'est pas que moi, s'il y avait pas le logo, il y a Krix aussi, c'est beau en fait. Et le fameux dessin que Aldo doit nous faire et qu'on attend avec impatience. Oui, c'est clair, c'est beau clair. En fait. C'est beau. C'est pas lisse, beau, interactif, c'est lisse, mais quand tu regardes, c'est dynamique, attirant. Voilà. C'est pas un truc à la rage, vite attractif, fait, dégueulasse, pixelisé à mort. Tu dis ouais. Après, ça dépend de ta connexion. Hein. Celui qui a pas de bonne connexion, il verra en pixelisé à mort. Hein. Mais ça, c'est clair. Ouais. Et t'as bien raison. Et que ce soit, oui, comme je disais, les intros que Vanjie nous fait. Mais aussi, oui, pour Krix, rien que quand je lui demandais, rien que le tout premier logo. Moi, j'avais une image en tête du K+. Je savais à quoi ça voulait ressembler. Et j'ai donné plein de détails. Et à chaque fois, Krix, bah déjà, je crois que t'as vraiment tapé dans le mille dès le début. T'avais bien compris ce que je voulais et tu l'as fait. Hein. Ouais, mais ça, c'est normal. Mais je veux dire, il n'y a pas un moment où tu m'as pondu un truc, j'ai fait « Ah non, mais poubelle, quoi. » C'est à chaque fois, je dis « Ah ouais, attends, ça c'est... » Et puis à chaque fois, « Ah tiens, est-ce que tu peux ajuster ça ?» Et tout, et puis tu l'as fait à chaque fois. Et ça aboutit à un truc, j'ai fait « Ouais, ça y est, là, c'est bon, je suis satisfait, c'est parfait. » Et ouais, et c'est ça, mais je pense... Enfin, t'as mis le doigt dessus, Ori, c'est ça, c'est vraiment... C'est qualité, c'est propre, c'est... millimétré et c'est beau, c'est ouais, c'est pas ouais, c'est lisse. Je vois ce que tu veux dire. J'ai du mal à, bah, en fait, ça fait très Star Wars aussi, tu sais, très très beau, très lisse, très j'arrive pas à trouver le mot non plus, très je sais pas, épuré. Ouais, épuré, c'est pas mal. Ouais, épuré, c'est un peu ça. Ouais, ouais, c'est ça. En tout cas, si je devais être fier du noble des chevaliers de l'ordre de ce qu'on fait, bon, même si du coup je fais rien par rapport à ça, mais c'est vraiment le visuel et la passion qu'on apporte sur l'émission, parce que ça se sent en fait que voilà, les gens ils parlent de leur truc, on sent qu'ils sont pas là, non, ils sont là, ils ont envie et ils sont passionnés par le truc, ça c'est beau. Bah, exactement, mais tu fais très bien de dire ça, parce que pour moi c'est le but de ma chaîne et de ce que j'ai toujours voulu proposer. J'avais commencé ce genre de truc, on peut dire à très grande échelle, que les podcasts sont le début des chroniques de l'ordre. Parce que moi, mon
mon point de départ. Et d'ailleurs, on en a fait ensemble, Ori. Hein. On en a fait, j'en ai fait un aussi avec Aldo. Et je crois pas en avoir fait avec quelqu'un d'autre vous. Mais je me souviens à chaque fois, mon credo en fait pour les podcasts, c'est vous venez parler d'un truc qui vous passionne. Parce que quand vous parlez d'un truc qui vous passionne, ça coule tout seul. Et il y a qu'à voir, il y a aucun pratiquement podcast qui ne dépasse pas les une heure. Ils dépassent tous les une heure. Donc c'est l'injection comme ça de passion, tout simplement de faire ce qu'on a envie. Et là, avec cette émission, on a pu ajouter les visuels, mais en plus on a pu regrouper. C'est-à-dire qu'on a un amas de tout ce que les gens ont envie de nous parler, et de ce qu'ils aiment, et de ce qu'ils ont envie de faire, et de ce qu'ils ont envie de montrer. Et donc c'est génial, et donc ça fait une bonne formule, un bon mélange, et ouais, dans ce que tu dis, c'est totalement vrai. Et ça fait plaisir à voir. Et c'est là où aussi, bah quelque part, même si moi je cherche, comme vous le savez, pas les vues, pas les tout ça, quelque part c'est limite un peu frustrant de se dire, bah en fait c'est tellement bien ce qu'ils font. Moi quand je vois, mais n'importe qui d'entre vous, hein, Krix, Aldo, Ori, Vanji et tous ceux qui ont proposé des trucs, c'est tellement qualité que je suis même un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de personnes qui puissent voir. Quoi. C'est là où c'est dommage. Ouais, on est limité, mais c'est pas... Il y a déjà bien assez de personnes. Je sais qu'on tourne à environ au moins 20 personnes à chaque fois. Et c'est génial. C'est génial. C'est au moins pour ces 20 personnes-là, si ça peut leur plaire et leur faire plaisir. Moi, c'est bon. C'était le but aussi, même au tout début de ma chaîne. Vous remontez au début de ma chaîne avant même que, quand j'avais encore 30 abonnés ou même rien. Moi, je disais toujours dans mes vidéos, mais moi, tout ce que je veux, c'est partager ce que j'aime faire. Parce que c'est aussi le but de moi à la base. Hein. J'ai dit les podcasts, c'était le début, mais limite, le début, c'est moi. Parce que ce que je proposais sur ma chaîne, c'est simplement des choses qui me faisaient envie. Mais moi, je disais, bah, si je peux avoir, genre, je sais pas, 2-3 personnes comme ça qui me suivent, qui réagissent à ce que je fais, au moins que j'ai un feedback, que je puisse parler avec eux, voilà, que ça leur intéresse, évidemment, qu'ils le fassent pas contre leur volonté. Moi, ça me suffit. Bah, aujourd'hui, j'ai ce que je veux. J'en vis pas, c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai un boulot à côté. Mais aujourd'hui, j'ai ce que je veux. Des personnes qui, voilà, avec qui je peux échanger et tout, qui sont impliquées. Sur le Discord, la communauté, elle est incroyable. Chacun y met de son petit grain. Et peut-être que c'est rien, parfois, pour vous. Parfois, vous vous dites, oh, je vais pas mettre un message, ou oh, je vais pas répondre, ou alors je vais répondre, mais... Mais vous vous rendez pas compte comme, en fait, chaque message, en fait, c'est une pierre à l'édifice, c'est quelque chose en plus, c'est ce qui rend vivant. Je sais pas si vous en rendez compte, mais vraiment rien qu'un petit message, un petit mot gentil, une petite image, tu vois, comme Ori, il aime bien mettre des fois dans des trucs marrants et tout. Peut-être trop. Non, mais je sais pas. Non, mais vous vous rendez pas compte, mais sur les mêmes groupes Facebook. Moi, je regarde toutes les images d'Ori. Hein. C'est juste que je commente pas, mais oui. Parce qu'il y en a trop, mais je les regarde toutes. Hein. Mais vous vous rendez pas compte, mais vraiment, en fait, imaginez, vous retirez ça, et ben ça fait une part de vie en moins. Et on se rend pas compte, mais dès que cette part de vie, elle disparaît. Et ben il y a d'autres personnes qui vont se dire ah tiens ça vit moins, du coup je m'y implique moins, et c'est un cercle vicieux, vous voyez. Et je dis pas ça pour dire ouais continuez tout ça pour que ce soit actif et tout, je veux que ce soit de l'activité naturelle, parce que c'est ça qui est le plus beau. Et quand je vois que moi je vous dis, quand un truc qui me fait plaisir, je vous le dis, hein, c'est tout simple, je me lève le matin, un de mes kiffs, je sais que la journée a déjà débuté en France, mon premier kiff ça va être d'arriver sur Discord. Dès que je vois plein de salons avec des petites bulles blanches comme quoi chacun, ou même je suis cité avec des bulles rouges et tout, et que je vois que ça a été actif, c'est mon premier kiff de la journée. Je vous le dis tout de suite, c'est cash, c'est simple comme kiff, mais moi je dis, oh, c'est vivant, et ça fait du bien. Voilà. Ils sont pas morts. même pas, c'est juste, c'est dire, ouais, bah, je sais pas, c'est... Ouais, non, c'est en fait, sont là, c'est un peu plaisir. C'est un peu comme une flamme que t'aimes... Qui vit, et enfin, non, c'est moi, je dirais, ouais, un peu une effervescence. Mais c'est ça. En gros, t'as créé un concept, ou une émission, un Discord, un serveur, peu importe, et ça tourne autour, ça gravite. Et tu te dis, bah, j'ai lancé la machine, et du coup, t'es content que ça prenne et que ça plaise aux gens. Voilà, que ça continue, tu vois, et que le moteur il fane pas. Tu vois. Après, on est d'accord, il y a des périodes qui sont plus propices à de l'activité. Je sais que là, actuellement, on est dans une période où l'activité, c'est limite zéro. Pareil, juillet, août, c'est aussi des périodes très creuses. Mais la période, et je pense que vous l'avez tous vu, les périodes les plus faramineuses, c'est novembre, décembre.
c'était apogée entre les débats Mandalorian et tout, mais je parle pas que pour ma chaîne, je parle de manière générale. YouTube, vous entendrez n'importe quel YouTuber dire que fin d'année, c'est le moment où il y a plein d'activités et tout, et c'est vrai que sur le Discord, mais c'est à chaque fois, c'était incroyable. Et là encore, je trouve qu'on est même maintenant, hein, mi-fin février. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, c'est qu'il y a toujours, c'est toujours actif et tout, et c'est là où, ouais, c'est cette flamme que tu dis, Vanji, elle s'entretient, elle reste entretenue, mais cette flamme, voilà, moi je ne veux volontairement pas l'entretenir, parce que c'est quand tu veux forcer quelque chose que tout de suite les gens ne font plus les choses naturellement, et c'est pas du tout ce que je veux. Donc quand, en fait, c'est pour ça que je vous dis, vous rendez pas compte à quel point c'est important, parce que en fait tous les petits messages ou toutes les choses que vous faites intentionnellement, bien sûr, c'est ce qui ravive la flamme. Et qui nous... Ouais, c'est un peu comme on est des amis autour d'un feu, et puis chacun de son tour on met une bûche. Et... Exactement. Voilà. Au lieu de foutre de l'huile sur le feu, bah... Non, ça c'est dans le salon. Ça c'est dans le salon spoiler. On a débattu pas mal sur Cara Dune. Ouais, le débat c'est important, moi j'adore. Et oui, débat c'est important, c'est essentiel. Tant que c'est dans le respect et tout, et d'ailleurs en parlant de ça, respect, je finis avec le Discord, mais moi je trouve ça incroyable parce qu'il y a. Bon, ça fait plus de 5 ans hein, que. Pas que je gère des gens, mais je veux dire que je vois un peu une communauté et tout ça et que je parle. C'est arrivé, ouais, avec des ficelles. Non, mais je veux dire, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et j'ai parlé de toutes sortes de personnes et il y est arrivé plein de choses. Là, ça fait très longtemps que j'ai pas eu besoin de je sais pas, de calmer un peu les ardeurs. Je vous avoue qu'à un moment, j'étais sur un autre Discord pendant un très très long moment. Et des fois, ça allait bien, mais des moments, ça pouvait partir un peu en... Et les débats pouvaient être très virulents. Et là, on est quand même plus nombreux. Il y a des moments, il y a des débats... Il y a des débats... Ouais, mais c'est ça qui est bien. Parce que des fois, il y a des débats vraiment qui peuvent aller sur peut-être religion ou peut-être dans confession, ça a été loin... Ou même sur Cara Dune ou trucs comme ça, mais à chaque fois, moi, j'ai... Ouais, des moments, je me disais oulala, oulala. Yoda et c'est bon. Oui, mais il y a des moments dans ces genres de situations-là, je vais tout lire et je vais dire oulala. Est-ce que, alors que des moments, je lis même pas tout parce que tout simplement j'ai confiance et parce que je vois qu'il y a pas de panique, il y a pas un moment quelqu'un qui va marcher au-dessus de l'autre, il y a pas quelqu'un qui va s'insulter, il y a pas quelqu'un qui. Et en fait, c'est cette confiance du coup que vous instaurez et qui me fait ressentir aussi de la confiance et qui fait que je me dis. En fait, c'est bon, j'ai pas besoin de faire la police, j'ai pas besoin de tout lire. Et ça m'enlève un poids aussi, sur le cœur, sur l'esprit, et ça me fait du bien. Je pense que Aldo n'a plus de batterie. Ou alors il est parti. Ça l'a ému, il est là pour pleurer. Non, mais je voulais en plus passer à lui, mais c'est pas grave. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, sur que tu étais un petit peu déçu, peut-être éventuellement, de. Il n'y a pas plus de gens qui nous regardent et tout ça. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que moi, je suis un peu, comment dire, quelqu'un qui aime bien garder tout pour lui. Pas égoïste. Tout pour lui. Non, je rigole. Pas égoïste. Non, mais je sais ce qu'il veut dire. Je sais ce que tu veux dire. Et je me dis, on a notre famille comme ça qui regarde et qui interagit dans le Discord et tout. Et tant pis pour les autres, en fait, ils ont qu'à être là. Ils avaient qu'à être là, en fait. Je suis un peu dans cette idée où. Les autres, ils font leur truc, mais s'ils regardent pas l'émission, s'ils connaissent pas l'émission, c'est tant pis pour eux, c'est dommage. Non, mais au moins, ça apporte plus de richesse pour ceux qui sont là, en fait. Et pour ceux qui s'y impliquent et tout. Et puis, en disant ça, on n'est pas du tout fermé à des personnes qui arriveraient en cours de route, qui arriveraient même maintenant, qui découvriraient. Je veux dire, tant que les personnes, ça leur plaît, même qu'ils restent à l'écart, juste qui visionnent, ou qui se mettent à interagir, et donc là, vraiment à rentrer dans le... Dans la discussion et tout, jamais on dira non, ça c'est clair. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas dans le sens où les autres ils viennent pas, c'est plus dans le sens où s'ils sont pas là, tant pis. Et puis tant aussi, quelque part, peut-être qu'aussi, tu vois, tu te dis, il y a des personnes qu'on connaît, peut-être parce que, et je pense que ça doit être même le cas pour la plupart d'entre vous, je crois que Crix, tu l'avais dit aussi pour tes chroniques, vous m'aviez dit, s'il y a limite trop de monde, limite, je serais encore plus stressé. Et je ferais peut-être pas la même qualité. Et je comprends aussi. Je comprends. C'est normal. Donc, ouais, c'est comme ça. Aldo, de ton côté, toi, Aldo, tu nous as rejoint donc dès le début aussi. Hein, parce que c'était l'idée. Vanji avait dit il s'intéresse beaucoup aux musiques et tout. Ça si pourrait être peut, sympa. Si on peut revenir au début, c'est en fait. Je dis toujours ça, mais ça a été. Je crois que tout ce. Ce qui a été décisif, c'est surtout le choix que j'ai eu de... C'est une image que j'ai de...
c'était sur le... En fait, j'étais en train de me balader sur YouTube, et là, je vois qu'il y a un... T'es lancé un débat Harry Potter. Et à ce moment-là, je crois même pas que j'étais abonné. Ah oui, tout début de comment tu m'as découvert. D'accord. Ouais. Donc là, tu m'as découvert avec. Ouais. Donc c'était l'année. C'était il y a pratiquement un an. C'est là où je faisais pas mal de débats à la suite. Ouais. Je me souviens. Et c'était sur celui sur Harry Potter. Et donc je suis allé sur le débat. Et là, je voyais que vous. Vu que je suis assez fan d'Harry Potter, je pense que ça se voit. Oui. Non. Tu parles de ton piano derrière. C'est le poster de Star Trek, ça, non? Non, c'est celui de Stargate. Ah, ouais, Stargate. Et en fait, j'ai demandé. T'as posté sur le truc pour rejoindre le Discord du débat. Ouais. Et du coup, j'ai fait, bon, je vais demander. Et. Voldemort, ouais. Ah, oui, la baguette. La baguette. Allez, je veux un duel. Je veux. C'est celle de Voldemort, ça? Oui. Non, c'est pas celle de Voldemort. Bah, c'est qui? Non, ça Crix. Crix, c'est pas celle de Voldemort non plus. Ah, ouais, je me disais. C'est un os, non? Non, l'os, c'est un os de son archéologie, là, qu'il a trouvé dehors. C'est celle de Tonks. Ah, c'est Bellatrix. Ah, j'allais dire Bellatrix. Ah, c'est celle de Tonks, ok, d'accord. Je sais même pas qui c'est, toi. Ouais, c'est que... Ah, bon, voilà, ça va pas voilà. J'allais dire Expelliarmus, et voilà. Avatar Kedavra. Ah, bah non. Et en fait... Oculus Reparo. La caméra va être... J'ai envoyé la... Comment... J'ai envoyé, justement, une demande à toi, Kishni, pour rejoindre le débat. Ouais. Et quand tu m'as dit viens, ah, j'ai dû au moins hésiter pendant les 5 minutes. J'y vais ou j'y vais pas. De base, yo-ho. Je suis quelqu'un qui je me montre. Enfin, je suis hyper timide. Et là, parler avec d'autres gens et puis d'autres gens qui regardent, je me disais, je vais jamais réussir. Je vais peut-être rien avoir à dire. Pourtant, je connais par cœur l'univers d'Harry Potter. Je me dis, je vais rien avoir à dire et tout. Et finalement, j'ai accepté, et puis c'est... Et au final, tu fais des émissions filmées, en direct. Et en fait, pour revenir au moment de la création des Chroniques de l'Ordre, vous allez vous marrer, mais je revenais du boulot, et j'ouvre mon Discord, et là, je vois un groupe avec un micro et tout. Et je me suis dit, bon, c'est marrant, ils ont changé l'image. Parce que j'avais pas capté que c'était un groupe, je pensais que c'était un Discord. Et je fais, oh, c'est marrant, ils ont. Il a changé l'image du groupe, quoi. Donc, du coup, je vais dessus. Et là, je vois que ça parle de d'émissions et tout. Je fais, what? Et sur ça, en fait, j'ai envoyé un what à Kishi parce que j'avais pas regardé le début. Parce qu'en fait, je comprenais pas c'était quoi. Oui, parce qu'en fait, tu parles de la discussion que Kishni avait lancée au tout début avant de créer un salon privé sur le Discord de la Kishni Family. C'était une discussion en un message privé. Ouais. Et j'ai vu le message. Et là, quand j'ai vu que j'étais cité comme quoi. Pour parler de la musique, tout ça. De musique. Je vous jure, là c'était stress. Ouais, mais tu sais quoi, Aldo? Tu sais quoi, Aldo? Moi, il y a un truc que je retiens avec toi, c'est que tu vois, que ce soit ce que tu as cité, c'est-à-dire le débat Harry Potter, ou alors que ce soit les Chroniques de l'Ordre, tu dis que t'es quelqu'un qui est stressé, qui ose jamais, etc. Mais le truc, c'est que tu le fais. Tu vois, t'es venu au débat Harry Potter, tu fais les chroniques, et en plus. T'es toujours partant, t'es toujours volontaire, tu veux en faire, limite, des fois, on n'a pas prévu dans l'émission, et tu fais, ah non, mais moi, je voulais en faire une sur ça et tout, donc on arrive à t'intégrer et tout. Mais ce qui est très bien, parce que ça montre que t'es... Des fois, j'ai peur que ce soit pris comme, le gars, il veut toujours en faire, pas du tout, au contraire. C'est ça, à chaque fois, je dis, s'il y a de la place, sinon, il n'y a pas de souci, Ouais, mais regarde, mais rien que ça, au moins, tu vois, t'as la volonté de le faire et tu veux le faire et tout. Alors que tu te rends compte, c'est quand même des choses que je pense qu'il y a un an, du coup, tu te serais pas imaginé le faire. Et je pense qu'en un an, mais c'est clair, grâce peut-être au concept, mais avant tout grâce à toi,
t'as dû énormément évoluer, autant dans ta vie que dans ta tête, que... Je sais pas, je pense qu'il y a des choses que peut-être tu oses plus faire et tout, tu t'en rends peut-être même pas compte, mais je pense que t'as déjà énormément progressé. Et pour en venir à tes chroniques, dernièrement, on en a beaucoup discuté. On sait que t'es, tu vois, tu m'as toujours dit, t'es quelqu'un qui, voilà, qui stresse quand même pas mal et tout. Et c'est vrai que nous, on fait tout ce qu'on peut aussi, parce que je ne veux laisser personne derrière. Voilà, chacun a ses propres difficultés, chacun a ses propres challenges, chacun a ses propres obstacles, tu vois. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui va moins réussir à parler ou qui va être plus stressé et tout, qui va être forcément derrière, d'accord. Chacun doit être mis à un pied d'égalité, mais chacun doit être aussi porté à sa juste valeur et comme il se doit. Et de ton côté, tu vois, moi, je le détecte. Je l'ai détecté à maintes reprises, et surtout, notamment lors de la dernière, que t'étais pas forcément à l'aise à lire un texte. Et c'est pour ça que, limite, j'étais un peu bougé en te disant... parce que là, on parle vraiment des coulisses, tu vois, pour le coup. Je t'ai vraiment dit en coulisses, je t'ai dit, Aldo, je ne veux plus que tu lises. C'est fini. Tu fais ce que tu veux pour les prochaines, mais c'est fini, tu ne liras plus, tu vois. Et quelque part en faisant ça, toi, tu avais l'impression d'être dans ta zone de confort quand tu lisais, mais je veux te prouver que ta zone de confort, c'est quand tu parles tout simplement sans avoir de support ou très peu. Et pour moi, j'ai un merveilleux exemple, c'est le podcast qu'on avait fait ensemble, où je suis sûr que tu n'avais pratiquement rien préparé, et où tout simplement tu as pu parler, ou même regarde les débats. Est-ce qu'il y a des débats parmi tous ceux que t'as fait après Harry Potter, parce qu'il y en a eu beaucoup, où tu t'es retrouvé dans des situations où t'étais overstressé, où t'en pouvais plus, où t'as eu des fous rires ou des machins? Non. Parce que c'était des trucs où on te posait des questions sur le moment, où tu réfléchissais sur le moment, et donc t'étais plus porté sur ta réflexion de qu'est-ce que je vais dire à ce moment même, plutôt de qu'est-ce que je vais dire et comment ça va être interprété. Et donc c'est pour ça que je t'ai dit, moi je vois que ça ne te rend pas à l'aise, ça ne nous rend pas à l'aise et ça ne rend pas à l'aise des spectateurs à ce que ce soit fait comme ça. Je dis pas que jusque-là c'était mauvais ou quoi que ce soit, pas du tout, d'accord. Je veux vraiment replacer la barre juste réalité. Tout ce que t'as fait, c'est très bien, surtout vis-à-vis à ce que toi tu pensais que t'étais capable au départ, d'accord. Moi je suis très fier de toi par rapport à ce que tu disais au début et à ce que tu proposes. Mais moi ce que je veux en plus, c'est tout simplement que tu sois encore plus à l'aise et que tout simplement ce soit non plus un exercice, tu vois, mais c'est tout simplement un plaisir. Et moi, tu vois, j'étais un peu stressé, un petit peu coincé, parce que je me disais, je pense qu'il fait ça pour le plaisir, mais je pense que ça doit être extrêmement pesant aussi pour lui. Et donc, je me disais, comment je peux rendre ça plus plaisant pour lui et pour nous tous? Et ben, c'est tout simplement te mettre sur un concept et sur un moyen de travailler qui te correspond. Et je pense que là, toi, tu as déjà fait des essais de ton côté, en préenregistré déjà, mais j'ai rien regardé de mon côté, mais je pense que déjà pour toi, tu peux peut-être nous en dire un petit peu, mais je pense que ça t'aide. Moi, je l'ai vu en tout cas, l'ai vu et le résultat, je le trouve vachement mieux déjà. Voilà, mais maintenant, moi, ce que je veux avoir, c'est ton ressenti. Même, hein. Mais je veux avoir ton ressenti déjà, Aldo, déjà sur ça, sur déjà un peu ce changement que tu as opéré. Qu'est-ce que tu ressens? Je vais pas spoiler sur le sujet pour les personnes qui vont regarder, mais ce que je peux dire, c'est que je sortais complètement, parce que là c'est comme si je partais presque de zéro, dans le sens où j'ai dû apprendre à utiliser un logiciel que je connaissais pas du tout. Et j'ai dû, je vais juste passer vite pour montrer, mais vas-y. Vous mettrez pas pause. Hein. Mais tout ça, c'est juste ce que j'ai fait sur ma chronique, en fait. T'inquiète pas, de toute façon, on voit pas. Ouais. La prochaine, c'est tout ça. D'accord, donc c'est juste tes petites notes. Alors qu'avant, t'avais genre des deux pages Word remplies de mots de phrases complètes. Hein. Oui, c'est ça. Et franchement, je sais pas si le rendu va être bien ou si vous avez trouvé... Déjà, est-ce que toi, il te plaît, Miguel, est-ce que tu préfères? C'est ça. Mais... C'est ça que je veux savoir. Je vais être honnête, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ah, ça fait plaisir. surtout au niveau du montage. Ah. Parce que comme je dis, le logiciel, j'ai tâtonné. Hein, il y avait des trucs, je comprenais rien. J'ai dû tâtonner pour réussir à trouver. Et pour la petite anecdote, ça, il y en a qui le savent, mais en fait, à la base, je voulais pas recorder avec mon ordinateur parce que ça. Enfin, ma voix, je voulais pas la recorder avec mon ordinateur parce que vous voyez, c'est la voix que j'ai d'habitude dans les débats ou avec un son super assez dégueulasse.
Ouais. Donc, j'ai voulu le, du coup, record sur le PC de mon tonton qui est dans une pièce plus loin. Et j'ai voulu du coup voir s'il avait Audacity sur son PC et il l'avait pas. Donc j'ai voulu. Ah oui, il m'a raconté. Le télécharger. J'ai voulu télécharger Audacity du coup sur l'ordinateur quoi, mon tonton. Et là, je fais, je clique pour l'installer quoi. Et là, ça me dit qu'il faut que je suis pas pro, enfin que je suis pas administrateur. Administrateur. Oh. Donc impossible de le télécharger. Enfin, de l'installer. Je me suis dit, ah bah, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai tout record avec mon portable. Ah, bah, tu sais, les portables. Bah ouais, les sons des portables, de toute façon. J'ai tout bien, record avec mon portable. Donc, bah, tu vois, parfait. Donc voilà, donc j'espère que ça va plaire. Mais après, regarde, c'est un casque comme ça. Mais c'est ça, en fait, mais il faut pas que tu te. Déjà, il faut pas que tu. Bah, c'est normal de se dire, est-ce que ça va plaire? Ok. Mais moi, vraiment, moi, ma question, et puis tu y as déjà répondu, mais c'était vraiment de savoir qu'est-ce que toi. T'as ressenti, tu vois, en le faisant. Et rien que le fait que tu dises que tu as pris déjà beaucoup plus de plaisir, ouais. Pour moi, ouais. C'est déjà une énorme victoire, autant pour toi que pour nous tous. Parce qu'on est, parce ouais. qu'on est une team, parce qu'on est une équipe et parce qu'on on se soutient. Et il ne faut pas que ce soit une épreuve, en fait. Il faut que ce soit juste quelque chose qui soit cool. Et, D'ailleurs, il y a petite. Désolé, petit aparté, mais vu que Chris, de toute façon, on l'a déjà vu, mais il y a une. Plus ou moins surprise dans la vidéo. Enfin, ah. Vous allez voir. On débriefera de toute façon une fois qu'on l'aura vu. Tu débriefras. Bien sûr. Ouais, non, vous attendez pas un truc de ouf. Hein. Non, j'ai juste dit une chose par rapport à la vidéo. Qui... Pourquoi Crix? Crix, tu confirmes le teasing? Ne dis rien. Ne dis rien. Ouais, c'est cool quoi. Bah, la preuve, c'est que je l'ai pioché pour ma propre vidéo, donc. Ah, oh. Eh ben, voilà, bon, bah, j'ai. L'inspirateur. J'ai hâte de voir. Non, mais écoute, voilà. Et puis, vraiment, par rapport à ce que t'as fait, tu vois, où je pense que t'as record en étant plus naturel et en lisant pas que des notes, tu vois, des phrases par phrase. Il y a peut-être le début où ça fait beaucoup moins, parce que j'ai voulu quand même faire un truc qui me semblait être obligé de faire. Enfin, après, je sais pas si Crix il l'a fait, mais je voulais quand même présenter présenter oui. un peu plus formellement le début, ce que je présentais en fait. C'est normal, c'est oui, normal. Pas trop, le jeu que je normal. Présente. Oui, mais tu vois, moi, ce que je veux savoir, c'est vraiment, peut-être pas tout de suite, tu sais, tu peux encore faire des enregistrements, il n'y a aucun problème, mais c'est si toi, après, tu vois, cette genre de manière de faire, est-ce que tu te vois la projeter après en direct, quoi? Même si après, bah, si c'est uniquement des montages, c'est bien aussi, mais tu vois, c'est simplement oui, si toi, tu... Mais il faut que je prenne confiance en moi, c'est quelque chose de nouveau, hein, c'est vrai que c'est arrivé comme ça, je m'y attendais pas, et je crois que c'est clairement un truc que je m'y attendais pas du tout, faire partie d'une équipe de bah oui. chroniqueurs comme ça, même avant le confinement, même quand j'ai commencé à faire les lives et tout, je serais jamais imaginé participer à quelque chose d'aussi bien comme ça, quoi, en fait. C'est le principal. C'est aussi une... C'est aussi un challenge pour moi, on va dire. Parce que, comme j'ai dit, je suis quelqu'un d'assez timide et puis je stresse et tout. Donc, non, mais t'inquiète pas, ça va bien passer. Voilà, la semaine prochaine, il y a RTL qui sera là. C'est pas. Non, ça va. Je me demande que c'est pas M6. Non, mais écoute, voilà. Le principal, c'est ça. Et pour moi, je suis content et puis j'ai hâte de voir la suite. Est-ce qu'on terminerait pas, du coup, par toi, Vanji, un peu ton setup, parcours, ta préparation, ouais. Tout ça, ton parcours. Mais hein. D'ailleurs, parce que limite, c'est tu es l'initiateur de ce mouvement des chroniques de l'ordre. L'initiative Vanji. Non, en fait, je suis pas l'initiateur. En fait, si je devais faire une analogie, je suis l'archéologue. Mais au final, un archéologue n'est rien sans les fouilles, enfin les objets à trouver. On est des outils. J'ai juste trouvé des reliques ou des précieux, on va dire. C'est tout. Enfin, voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que j'ai dit ok, lui, je dois faire ça que c'est moi qui le fais, finalement. Enfin... Oui, mais en fait, en gros, comme ça a commencé, tu m'as dit, bah tiens, je vois qu'il y a telle et telle et telle personne qui sont très à l'aise, qui aiment beaucoup, qui sont passionnés par tel et tel et tel domaine. Pourquoi on ferait pas un truc genre qui les réunirait tous? Je n'avais pas du tout identifié comme quelqu'un de timide ni rien. J'avais toutes les personnes que j'avais identifiées, c'était des personnes justement que je trouvais à l'aise à l'oral et à l'aise avec ce dont elles parlaient.
D'ailleurs, ça m'a un peu surpris. Oula, j'ai plus que 15% de batterie. Ah. Ça m'a. ça m'a surpris parce qu'en fait, je me souvenais pas avoir parlé tant que ça de musique pendant les débats, en fait. Mais si je l'ai vu, c'est que. Alors, c'était peut-être pas au premier débat, c'était peut-être au deuxième. Parce qu'après, au bout d'un moment, faut pas non plus. En 10 minutes de débat ou une heure de débat. Je me souviens même à la fin, tu avais dit, toi, tu feras une chronique sur les théories de Alors, tu m'avais dit les théories. J'avais dit, bah non, bah, l'idéal, c'est les théories sont spontanées comme ça dans les débats. C'est le débat qui génère la théorie. C'est pas. Enfin, préparer une théorie, je trouve que c'est moins intéressant. Mais. Pourtant, j'aime bien regarder des vidéos des gens qui font des théories. Enfin, typiquement, Captain Popcorn, en ce moment, il fait des théories sur WandaVision. J'aime bien les regarder. Mais moi, je ne saurais pas en faire en préparation comme ça pour une chronique. C'est moi, spontané. Sur SNK, je regarde des théories. Mais du coup, t'as posé la question aux autres. Donc je réponds même si tu ne l'as pas posée à moi. Moi, ça fait depuis 2016 que je suis sur le Discord. Parce que je suis arrivé après l'épisode 7, après le coup de gueule, voilà, évidemment. Mais pas tout de suite, tout de suite, parce que le Discord n'a pas été. Alors attends, le Discord, il a été créé quand? Je sais pas. Et tu dis 2016, il devait pas être encore là. Ou alors, c'était vraiment les prémices. Alors, je suis arrivé sur la chaîne en 2016, peut-être. En fait, je suis arrivé après ton coup de gueule sur la chaîne. Non, ouais, 2016, il n'existait pas. J'ai dû venir sur le Discord dès qu'il a été créé, quoi. Mais dans les semaines qui suivaient sa création, enfin peu importe, mais comme je te l'ai déjà dit, je suis pas un abonné assidu. Ça veut dire que je regarde des vidéos de temps en temps. Ouais. Je m'abonne, j'ai plein de chaînes d'abonnés, mais je regarde pas tout. Je sais quand il y a un truc qui me plaît que je regarde, quand je suis dans ma période Star Wars, je regardais. Et en ce moment, la période Star Wars, elle s'étend, elle s'étire, elle se densifie, donc on va dire que ça dure dans le temps. Et puis je suis revenu actif sur le Discord au débat mandalorien et j'ai fait le débat. Pareil, et j'étais pareil que toi Aldo, j'étais stressé au début. 5 minutes avant le débat, j'étais en mode j'y vais pas, franchement je saurais rien dire et tout. Et en fait, on a pondu une théorie et puis voilà, c'est vrai. Faut pas s'arrêter à nos peurs et faut se dire mais pourquoi j'ai postulé, pourquoi à la base j'ai demandé le faire. C'est ça qui nous. Ouais, et puis du coup, t'es passé dans une vidéo vos théories et tout, comme la théorie principale. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Et oui. et après, bah oui, mon setup, enfin mon bureau, je peux vous montrer. Hein. Ouais, parce que ça a pas mal changé aussi autour de toi, parce que toi, Setup extérieur et après il y a mon bureau. PC, ouais, enfin, parce que toi, sans forcément que ça ait lien avec l'émission, toi, tu t'es carrément acheté un truc, je sais pas comment on appelle ça, un paravent, une toile. Non, c'est un paravent. C'est un panneau japonais, tu vois, c'est un truc comme ça que j'ai mis en fait, qui est derrière, mais on le voit pas bien, mais en gros qui passe derrière et c'est juste pour faire une coupure avec mon salon pour pas que vous voyez ma cuisine, ce qui est moche. Enfin, c'est pas moche, mais c'est pas. Ouais, mais c'est déjà ça. C'est pas mal. Et puis moi, ça me fait une coupure aussi quand je fais du télétravail et que je mets la webcam. Ben, c'est vrai. Pour l'instant, je l'ai pas encore fait avec ce setup, mais. Et puis vous pouvez voir Obi-Wan. Yeah. Avec la tête de la guitare, Mandalorian derrière. Non, c'est les bien. Livres, puis tous les livres. Les livres qui commencent à se compléter. Alors, j'en ai pas beaucoup hein, par rapport à tous. Mais il y aura peut-être une vidéo collection un jour. Ah, mais ça, qui se profile. Tu sais que je suis pas le seul à l'attendre. Hein. C'est... il y en a beaucoup qui. Et après, donc le bureau, alors moi, je suis en général quelqu'un d'assez organisé, mais j'ai dit en général parce que là, c'est un peu folklore. Hein. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, vous voyez mon écran. Donc en gros, j'ai des dossiers, un peu bordel, hein, mais je vais pas tout montrer. Typiquement, mais ça, je vais pas vous le montrer, c'est pour la suite. Mais dans les chroniques, voilà, j'ai des trucs comme ça, tu vois. Donc t'as l'air même encore plus organisé que moi, parce que moi, des moments, quand il y en a trop, des fois, ça déborde quoi. L'émission 11, voilà, j'ai. Voilà, j'ai des trucs spot love. Après, dans les amours, c'est un peu le bordel. Mais après, je peux vous montrer comment je fais un générique. Si ça... Mais c'est le bordel. Hein. Dans le sens où je le fais sur PowerPoint. C'est pas fait pour à la base. Mais, Tu sais quoi, tous les génériques, là. Moi, j'ai une idée. Enfin, si à un moment tu veux, moi, je serais partant pour une petite chronique de 10-15 minutes où tu nous montres comment tu fais limite une petite intro PowerPoint, une chronique tuto, tu vois. Ça me prend un quart d'heure, ça peut se faire en un quart d'heure. Mais... Non, pas en faire une complète, mais je sais pas, moi ça m'intéresserait peut-être pas maintenant, mais par contre en chronique, moi je dirais oui. Et voilà, 15 minutes, une heure?
Ouais, c'est ça, c'est mon temps habituel, quoi. Vous voyez tous les trucs qu'on a là, quoi. Enfin, les génériques qu'on a, les PPT qui vont avec, hein. Donc, à chaque PowerPoint, il y en a quand même qui sont assez lourds, hein. Ça, c'est celui d'aujourd'hui, par exemple. Je peux vous l'ouvrir. C'est celui d'aujourd'hui, voilà. Donc, il y a que 3 slides. Moi, ça m'intéresserait trop, ouais, de savoir. Mais en fait, il y a des animations sur le côté qui se lancent en fonction de. Voilà, donc après, si je fais un F5. Pardon, vous allez F5, pas le voir, c'est pas le bon écran. Enfin, bon, bref. Du coup, à la limite, je peux faire comme ça. On va faire comme ça, tac. Hop, vous voyez, du coup, le générique qui se lance. Ah ouais. Donc, voilà. Mais là, par contre, non, je relance. Ouais. Je vois plus rien. Moi. Ouais, on voit plus rien. Ah si, ça y est. Voilà, et à chaque fois que j'appuie sur la touche, j'ai une animation qui se lance. Et d'accord. Du coup, je synchronise avec la musique. Dès que j'entends une musique qui dit tiens, là, c'est le bon moment, j'appuie. Ok. Voilà, là, ça se lance. Là, j'appuie. Tu vois, c'est en fonction de la musique. Ah, je suis en temps réel, quoi. Ok. Ouais, t'appuies, quoi. Bon, là, je le fais à l'arrache, hein, mais. Ouais, ouais. Voilà. Puis là, c'est la cerise sur le gâteau, n'empêche, avec le qui se met là dans le creux, le plus qui s'en va avec le NG qui arrive, le off avec le haut des chroniques de l'ordre. C'est, tu vois, là, quand j'ai vu ça, en fait, tu m'as enchaîné la gueule. Tu vois, c'était un mini Star Wars 8. Tu vois, le ING, le plus qui se fait barrer, le off. Que je vois comme ça en gros, donc lié à la musique en plus, donc c'est génial. Et puis le haut des Chroniques de l'Ordre, tu m'as enchaîné uppercut, coup droit, revers. Finish him. Non, c'est Fatality Fatality. Voilà, donc après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Après, je peux vous montrer juste ce que c'est une chronique, par exemple, la première que j'ai faite. Il y a pas de spoil du coup, c'est la première. Mm-hmm. Bah voilà, c'est une slide par news et encore parce que après j'ai des animations qui s'enchaînent. Mais et dis-toi, ça se déroule. Ah ouais, il y a un truc que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que et je pense bah il y a que Ori qui était pas au courant, enfin qui avait pas vu ça dès le début, mais c'était je sais pas si vous vous rappelez de notre premier setup sur Streamlabs que moi j'avais fait. On avait mis le chat en bas et tout, dans des lignes et tout. Ah, ça. C'était pas beau. Et moi, j'étais pas satisfait du tout. Et je vous ai dit, je veux changer ça. Absolument. Parce que ça va pas comme on avait disposé. Et maintenant, ce qu'on a aujourd'hui, avec le Discord, ma caméra en bas à droite, le chat comme ça en ligne, eh ben, j'adore. Mais en plus, ce qui va trop bien quand toi, tu fais tes chroniques, Vanji, et puis même tous les autres, quand vous prenez des fonds noirs comme ça, c'est qu'en fait, ça se... Je sais pas si vous regardez des fois les rediffs et tout, mais vraiment, comme tu fais apparaître les différentes vidéos, les différentes images et tout, ça s'imbrique tellement bien avec le setup, c'est fluide, t'as l'impression que c'est... Tu sais, t'as pas l'impression que c'est, comment dire, que c'est un... C'est des cases, en fait, que tu imbriques. Là, il y a le Discord, là, il y a le truc de Vanjie et tout. C'est fluide, quoi. C'est tout sur fond noir. Ouais, et donc, en fait, bien, c'est quoi. Très... Et puis... La manière dont tu disposes, ouais, mais la manière dont tu disposes tes images et puis même des petites vidéos comme ça aussi sur ton PowerPoint, c'est tellement, ça rend vraiment super bien. Donc là, pour vous illustrer, voilà, ma chaîne, c'est ça et c'est tout en ayant répertorié. D'ailleurs, j'ai une réclamation pour droit d'auteur sur la musique qu'on avait au feu de l'amour. Aux amours. À la Saint Valentin. Le message du cœur. Message du cœur. Et c'est la musique qui est en réclamation. Voilà, c'est... Puis je vois avec les TV aussi, les télés là pour l'émission du retour là, dans le temps. Version, là, c'est la version teaser. Ouais, parce ouais. que j'avais fait un teasing. Et après, ce que toi je t'avais donné, c'était ça, je crois. Mais cette émission aussi du retour dans le temps, c'est sorti de nulle part. Je veux dire, c'est un truc. Oui, c'est clair. Ah, ben ça, c'est sorti de nulle part. On s'est dit, tiens, on va faire ça. En fait. Je sais même plus comment c'est venu. Si, c'est à cause de mes dents. C'est à cause de mes dents. Voilà. À cause de tes dents. En fait, on s'est dit, en fait, on va tourner, on va devoir l'enregistrer à l'avance. Et du coup, comme on va l'enregistrer à l'avance, on va la tourner avant celle qui va être diffusée après. on va tourner la 9 avant de faire la 8. Ouais. Et du coup, on s'est dit, ça sera un peu le passé dans le futur ou le futur dans le passé. Tiens, on va faire un truc, on va parler de vieilles news parce que on est parti de là parce que je pouvais pas faire de Holonews du coup, parce que vu que ça allait plus être à jour. Et c'est moi qui t'ai proposé l'idée, je t'ai dit, ce serait trop bien que tu présentes des trucs super vieux. Oui. Et là, c'est parti
voilà. Un délire abouti. Et quoi, puis du coup, tout le monde s'est adapté après. Tout le monde voilà, a fait des chroniques adaptées sur. Et il me semble de mémoire qu'au tout début, Kishé, t'avais dit ouais, j'ai une idée, mais c'est. Vous avez dit. Enfin, un truc dans le genre, t'as dit ouais, c'est. C'est un peu trop ambitieux, c'est. Ouais. Non, t'as dit ouais, j'ai une putain d'idée, mais ça va être. Je sais pas si ça va vous plaire. Un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et c'est ça. On était tous hypés. Ah ouais, bah écoute. Ouais, tant mieux. Ouais. Mais ouais, voilà. On a fait le tour, écoutez. Hein. Et juste un truc, faut savoir que vu que je stresse pendant ce que ce soit, pas les chroniques, mais surtout les débats ou quand les autres chroniqueurs font leurs chroniques. T'as besoin d'être occupé. Que je dessine. Yes. Et le pire, c'est qu'en plus, il nous fait des trucs qui sont incroyables. Moi, je trouve ça tellement aussi épuré en fait. Moi, j'attends vraiment parce que vu qu'on est dans les coulisses, on a demandé quelque chose. Bon, en même temps, c'est quand tu voudras. Hein. Mais on a vraiment demandé un truc, une sorte de dessin en fait officiel des chroniques. Et c'est, moi, je l'attends parce que vu ce que tu nous montres là et la qualité de tes dessins, je l'ai dit, je suis dit. Ah, ça, c'est ton dessin. Oui, quoi. C'était pour moi. Tu voulais même me l'envoyer et tout. Il est magnifique. Trop fort. Faut que je te l'envoie d'ailleurs. Un autre petit Yoda. C'est un exemple comme ça. Ouais. Mais vas-y, tease-nous là. Franchement, je suis une quiche en dessin et j'aimerais bien. Vas-y, mais et pour le dessin, est-ce que toi tu l'as commencé déjà pour les chroniques? Parle-nous-en un petit peu. Ou alors pour le moment, t'as pas vraiment le temps. Si, mais ça va être plus long parce que je. Ça va être beaucoup plus long que prévu parce que perfectionniste. Je veux faire un truc un petit peu ambitieux. Oh. Assez ambitieux, mais je vais pas. Dis-nous en pas plus. Ici, mais... C'est bon, ça, on a tout le temps. Mais écoute, vas-y. Vas-y. Tu nous l'offriras à Noël. C'est ça. on a tout le temps. Ça se trouve, quelqu'un va mourir dans pas longtemps. Aïe. C'est pas ça. Touche du bois. C'est bon, j'ai du bois de partout, moi là. Je suis pas la merde, mec. Même tes assiettes en bois là. Mais après, il y a d'autres petites choses. On va en pas revenir sur tous les concepts, mais il y a vraiment des choses comme ça, moi, que j'aime bien. Juste pour finir sur les émissions, des fois des trucs qui pop de nulle part et qu'en fait il y avait même pas de générique, ou alors le générique il a popé comme rien. C'est genre les défis culinaires. Le truc ah ouais, alors ça c'est le défi. Je pense que c'est le générique que j'ai le fait en moins de temps. Avec ma tête, mais il y a un défi culinaire dans 3 heures là parce que ouais. Vite je le fais, je l'upload et tout. Et... Ça j'en aimerais plus, que... ça des défis culinaires. Moi je me souviens d'un truc parce que je crois que c'est moi qui avais eu l'idée de truc des ombres là. Et je sais plus comment j'ai fait. Et si on ferait pas comme dans Pokémon? Ah ouais. Ah oui, parce que les Pokémon on voit leurs ombres à la base. Et d'ailleurs, ouais, moi, j'aime beaucoup ce visuel. Ce Pokémon, mais ouais, mais oui, et ça, t'as trop bien. Puis ça fait un peu Super Smash Bros aussi, c'est New Challenger. Mais c'est, j'adore en plus, et puis le fond aussi qu'on a fait et tout. Ouais, mais c'est tout un amas d'idées en fait à chaque fois, et ça rend vraiment. On a tous ajouté un truc, c'est ça. Exactement. Tiens, j'ai une question pour chacun d'entre vous. Désolé. Ça va peut-être foutre la merde, mais si vous devez choisir une chronique, retenir une chronique. Alors peut-être soit un concept de chronique, soit parmi toutes les émissions, il y a une émission qui vous a plu. Ah, une émission celle qu'on préfère, l'émission, parce que une chronique que en vrai, c'est compliqué parce c'est celle que c'est... celle qu'on a fait ou juste une celle chronique. Celle qu'on a préférée quoi, simplement. Ouais. Soit que vous avez préféré, soit qui vous a retenu le plus votre attention, soit qui vous a fait le plus marrer, soit qui vous a le plus intéressé, soit... Ouais. Une comme ça, qui vous vient en tête. C'est bon, moi, je sais. La rétro-émission, elle marque. Hein. Voilà, la rétro-émission, ouais, c'est celle-là, moi. Ah oui, mais alors là, l'émission, ok. Ah ouais, mais non, l'émission. C'est pas l'émission complète, là. Non, c'est soit... Non, moi, je parle plutôt d'une chronique, par exemple, ou un passage d'une émission. Je sais pas, allez, je commence dans l'ordre. Crix, vas-y, allez. Tu réfléchis. Bon, bah, Aldo. Alors, donne une règle, dis pas la chronique que vous avez faite, comme ça c'est facile. Sinon, on va envie de. Ouais, une autre chronique, ouais. Les chroniques avec, tu sais, celui qui a le logo avec un croco vert là. Comment il s'appelle lui déjà? Non. Ça commence par un H, je crois, non?
Harry, non, mais je sais pas. Harry, mais... Auto, voilà, c'est ça. Non, mais après, je demande pas un truc de fou. C'est non. juste là, si je vous dis Chronique de l'Ordre et je vous dis les 11, les 11 émissions qu'on a fait, tiens, il y a un truc. Ah ouais, ça vraiment, ça m'a plu. Moi, c'est clairement la Holo News de la chronique, enfin, des chroniques rétro que j'ai adoré. Avec les voyages, tellement marrant et tellement. Enfin, franchement, j'avais adoré. Du coup, Chris a pas répondu. Bah, c'est vrai que les Holo News, on les a à chaque fois, donc c'est un peu un monument de l'émission, si tu veux. Mais à chaque fois, il y a des petits trucs intéressants dedans. La barre qui est placée, là. Là, c'est clair. En plus, la semaine prochaine, je suis pas chez moi, ça va être compliqué, mais bon, je vais y arriver quand même. Puis sinon, okay, ouais... Ok, bon, bah, Chris, on te laisse réfléchir. Et... Non, mais... C'était juste si vous aviez quelque chose, mais si vous avez rien, c'est... Moi, je peux répondre même en 3, en 4, non, en 12 temps, si vous voulez. Mais... du cartel, ouais, ça m'a bien fait délirer, ça aussi. Ouais, le premier marché du cartel, il m'a fait rire, parce que c'était surprise. La musique, en plus, moi, j'ai eu la musique à fond dans les oreilles, parce que c'est moi qui diffusais le PowerPoint. Je l'avais, mais la musique, je vous entendais quasiment pas, quoi. La musique, elle allait hyper fort. Vous l'entendiez un tout petit peu, moi, je l'entendais à fond. Et du coup, j'étais entraîné, parce qu'elle est trop bien, cette musique. Donc, je pense que si je devais dire ma chronique... surprise, on va dire, parce que tout le reste, je les prépare un petit peu en fond, je suis un peu au courant de tout, je fais les génériques, donc du coup, je sais un peu ce qui va se passer. Et bah, Marché du Cartel, j'ai fait le générique avant même de savoir ce qu'il allait avoir dans la chronique. Et d'ailleurs, j'étais content parce que quand j'ai vu l'émission, j'ai dit, putain, mais en fait, mon générique, il colle parfait. Et j'ai eu peur parce que je me suis dit, je sais pas du tout ce qu'il va nous faire. Et au final, ça matchait bien. Donc je pense que c'est cette chronique qui m'a le plus surpris. Après, moi, celle que j'ai préféré faire, parmi tout ça, bah, c'est la chronique des Holo News du rétro, parce que encore une fois, on l'a préparé, on s'est dit on n'ira pas jusqu'au bout, et puis au final on est allé jusqu'au bout, quoi. Parce qu'il y avait un thème aussi, je pense que c'est ça, c'est important. Enfin, moi j'aime bien aussi ça. Et puis Ori, on t'a pas entendu alors? Bah moi je pense. Ah, parce que bon, j'ai pas eu le temps de réfléchir pendant 107 ans, donc pense que c'est Pixel Game, hein, de... Ah, ouais. Putain, ça t'a travesti le jeu. J'avoue que j'ai redécouvert Krix, surprise, en fait. J'ai redécouvert Krix, parce qu'il y a beaucoup de talent, surtout sur ses chroniques. Et on va dire que, bon, je savais, mais on va dire que j'avais oublié. Et ensuite, avec le Pixel Game, je fais « Ah oui !» Quand même. Il a du talent, ce garçon-là. Entre Pixel Game et Archaeolocrix, je pense que je préfère Archaeolocrix, parce que je suis pas rétro gamer, en fait. J'aime les jeux rétro. Bah, moi non plus. Je... Mais par contre, l'archéologie, mais... j'aime bien ça, de lointain souvenir, aussi, Lara Croft et tout ça. Et ouais. Jurassic Park un peu aussi, mais vraiment très léger. Mais et au final, quand j'ai vu même le ton, la petite pub avec Cody, en fait, je l'avais vu en avance, moi, la vidéo, parce que comme on n'enregistrait pas à l'avance, mais comme quand tu diffuses en live, on peut pas voir l'écran, du coup je l'avais regardé en avance pour savoir de quoi on allait voir. Et en fait, elle m'a fait rire, mais vraiment rire, tu vois, c'est-à-dire heureusement que j'ai pas rigolé en live, quoi, parce que sinon on m'aurait entendu comme un connard. Non, mais voilà, mais et c'est puis bien. Je trouvais que ça faisait vraiment ambiance, comment on appelle ça, on l'a déjà dit, c'est pas mais c'est pas sorcier. Mélangé un peu aussi Manbus, ouais. Je connais pas ça, mais vraiment, c'est pas sorcier mélangé à une autre émission que j'ai plus en tête, où le journaliste avance, il parle à la caméra, enfin, ça faisait vraiment un peu Stéphane Rothenberg, mais... Ah ouais. Bah, au top, les références, parce que c'est ça. Mais j'aime oui, pas Pékin Express. Moi, j'aime bien Pékin Express, et j'aime pas le principe du jeu et des équipes, mais j'aime bien le concept d'aller dans un pays et de voir un peu des trucs. Mais un peu Fort Boyard aussi, sur certains moments. Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est excellent, mais voilà, déjà, ce que je suis content, c'est qu'il y en a plein qui, voilà, qui sont... Il y a plein de moments comme ça qui vous ont marqué. Après, moi, bien sûr, bah, de toute façon, j'en ai parlé pendant toute l'émission. Quand je suis passé par chacun d'entre vous, vous avez chacun quelque chose qui fait que j'ai adoré. Je retiens un moment peut-être particulier aussi qui a rien à voir avec vous, mais qui a plutôt à voir peut-être avec le défi culinaire. Quentin, comme ça, qui nous proposait des défis culinaires, ses pâtes, c'est son nombre de beurre de cacahuète qu'il a mis dedans. Énorme, ça. Voilà. Et puis peut-être pour ce que j'ai le préféré présenter. Je crois que ce qui me restera en tête et ce que j'étais peut-être le plus fier et tout de présenter, ça a été les Kishni Awards. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment resté en tête, parce qu'en plus on l'a fait qu'une fois. Il y avait une préparation de fou, que ce soit autant le questionnaire, que ce soit autant les scènes, ce qu'il y avait derrière, le générique, le fond, tout ça, on s'y croyait vraiment.
et puis bah, toutes les transitions, à chaque fois quelqu'un gagnait aussi et tout ça. C'était, c'est tous des trucs où j'étais vraiment fier à présenter, et puis quand j'ai vu aussi le retour des gens et tout, c'était vraiment, c'était énorme. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ça. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire à la limite toutes les fois, mais c'est impossible parce que c'est beaucoup trop de préparation. Mais Kishine Awards, une fois par an comme ça, c'est parfait. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, parce que je vais peut-être vous laisser aller dormir, parce que quand même, c'est minuit. Moi, j'ai un truc à dire. Je suis désolé, vous avez déçu, mais je crois que je quitte Trash. Désolé. Je rage quitte. J'abandonne. Tu peux plus maintenant, parce que regardez, il y a quelque chose qui s'est passé aussi en ces 11 semaines. C'est ça. On l'oublie de le mentionner, mais c'est ça. Et ouais. Il est carrément collé à moi, tu vois, je peux même plus. Bah oui. Bah là, en plus, tu bouges plus. Ah si, ça y est. Ça avait bugué. Mais ouais, bah le t-shirt. Mais d'ailleurs, moi, juste après, je vous laisse aller vous coucher, mais juste. Moi, j'avais un truc, c'est. Même si on en a quand même beaucoup parlé pendant l'émission, mais en un mot ou quelques mots, qu'est-ce qu'en fait ces émissions vous apportent à vous personnellement? En très court, chacun d'entre vous. Très court. Ouais, je sais pas, quelque chose que ça vous apporte dans votre vie, dans votre tête. Voilà, dans moi, votre... déjà, c'est... Allez, on va faire dans le désordre. Allez, vas-y, Aldo. Alors moi, déjà, c'est clair et net, c'est bateau, c'est un truc que... Mais de la confiance en moi, ça c'est clair et net. Mais c'est pas bateau, c'est... Moi, c'est excellent. Merci, moi, que tu dis ça, moi, ça me fait super plaisir. Au contraire. Ok, bah parfait, ouais. Benji. Après, c'est la période qui était particulière, et clairement, quand c'était en novembre, avant, parce qu'on en a parlé un peu en novembre et début décembre, ça s'est fait concrétiser en début décembre, c'est parce qu'en fait, ça faisait 8 mois que je voyais personne, j'étais tout seul et en confiné, quoi. C'était horrible. Et ça, en fait, ça, pour moi, c'était une évasion, en fait. C'est un moment d'évasion, de libérer ma créativité. Je pense pas que je l'aurais fait, ou que je l'aurais même imaginé, si ça avait pas été, si ça avait été une période normale où dans la semaine je sors, je bois des verres, des after work, des restos et tout ça, des cinémas. Et le fait d'être confiné, et ben en fait ta créativité elle est concentrée et confinée aussi dans ta tête. Ouais. Et faut le sortir. Et du coup je sais pas, c'est sorti comme ça et ça m'a, c'est un exutoire et mais c'est pas un exutoire au sens péjoratif, c'est vraiment une... Ouais, c'est ça, c'est un tableau blanc et je dessine à ma façon dessus. Ouais, c'est ça. Puis la période, comme tu dis, ouais, s'y prêtait bien, donc ouais. Ouais, mais et puis ça se sent, ouais. C'est clair. Toi, Crix. Horrible, fait quoi. Moi, j'ai toujours besoin d'avoir des projets en cours. Faut que je m'active l'esprit, en fait. Faut maintiens que je en fasse vie. Des jeux, faut que je fasse ceci. Et là, c'est un nouveau projet où je peux parler de mes passions ou voilà, des choses que j'aime. Avec des gens fort sympathiques et avec un public. Et j'aurais jamais pensé faire le YouTuber un jour et voilà, on en est là, quoi. On en est là, tu vois, en 11 semaines, tu t'es transformé. Monde, je pense que c'est pour tout le monde, ça. Moi. Bah, limite, ouais, c'est une bonne chose, ça, parce que limite, bah, en fait, c'est comme je l'avais dit à un moment dans un débat, bah, c'était peut-être le débat émotion de The Mandalorian, où je disais, mais en fait, cette chaîne, c'est pas vraiment la mienne, en fait, c'est la vôtre. Et donc, à chacun d'entre vous, vous êtes devenu une part de la chaîne, un youtubeur de la chaîne. Et ouais, c'est un peu ça, ouais, Crix. Et le streamer aussi, je me suis découvert une petite activité de streamer très légère. Oui, mais c'était vrai. Plus pour moi, c'était plus une partie égoïste parce que c'était pour finir un jeu qui me faisait peur. Et si j'avais personne qui me regardait jouer, j'aurais pas fait le jeu, je pense. Bon, en vrai, ça va, il fait pas si peur que ça avec le recul. Mais... Petit truc, j'ai dit à. Justement, quand on a commencé les chroniques et que j'avais expliqué là pour le souci de l'horaire et tout. Je pense qu'il comprenait pas vraiment en fait ce que je faisais en fait. Et un jour je leur ai montré en vidéo. Je crois que c'était la chronique. Ah ouais, tu leur as montré. À tes parents. C'était laquelle? Ah, ta famille. Ma famille, ouais. Et ils m'ont dit mais toi tu fais ça. C'est genre. C'est énorme. J'étais super surpris et il me dit ouais on est fiers de toi quoi. Enfin. Super. Trop bien. Trop toi, bien. Tu vois moi j'ai même pas montré, tu vois, j'ai même pas osé montrer. Ah parce non, que... et d'ailleurs, moi, mes parents regardent, c'est ça qui est bien. C'est, oui, ils n'ont pas loupé une seule émission. Quoi. Ils vont pouvoir regarder le spoiler The Mandalorian, du coup.
Bah moi, base, et ben, montré parce que... et ben ils ont pas réussi à comprendre pour le spoil, donc non ils sont encore naïfs. C'est moi qui ai spoilé, non, c'est moi qui ai spoilé. Oui, c'est toi qui as spoilé. Ouais. Il me semble, ouais, mais ils ont pas capté, donc c'est bon. Ils ont rien capté. Mais tant mieux. C'est vrai, j'aurais dû prévenir, mais oui, c'est... Non, c'est bon. Moi, à la base, j'ai montré juste parce que... c'est pas pour montrer, pour dire, ouais, voilà ce que je fais. À la base, c'était vraiment pour expliquer le pourquoi j'ai besoin d'être... D'être à telle heure sur mon PC et que tu sois pas dérangé. Pour ça, en fait. Mm. Et Ori? Ori. S'endort. Non, je suis parfaitement. C'était quoi la question? Ori, est-ce que tu veux que je répète la question? Pour te faire plaisir, tu peux répéter, mais j'ai ma réponse. Alors, la question, c'est qu'est-ce que t'as apporté l'émission depuis ces 11 semaines. À toi. Est-ce que c'est ton dernier? Merci. Merci pour la question. Je pense que je dirais de la satisfaction. Personnelle, en tout cas. Parce que bah, ça m'a permis, entre autres, d'apporter un peu mon univers. Parce que je suis assez, on va dire, extraverti, mais en même temps, j'aime bien garder des choses pour moi et... Il est disséminé petit à petit, et là j'ai pu vraiment faire me montrer tel que je suis vraiment sur mes chroniques, sur les émissions et tout ça. Et parce que quand je crois que c'est Krix, non, je sais plus qui a dit ça, mais oui, si c'est Krix qui a dit qu'on était youtubeur, d'une certaine manière, moi je trouve pas, je trouve qu'on est une espèce de club audiovisuel, débat, machin, on fait notre truc, et il y a 12 personnes qui nous regardent, tu vois, on est tranquillou, comme ça, et on peut, voilà, s'exprimer, s'aider, et faire des trucs de fou, comme vous l'aviez dit, je crois que c'est Aldo qui avait dit, jamais j'aurais cru que j'aurais été chroniqueur dans une émission, moi personnellement, moi non plus, enfin, je veux dire, on se retrouve, entre guillemets, malgré nous, enfin, en tout cas, pour moi, en tout cas, malgré nous, dans un truc d'émission où des gens nous suivent, et des gens aiment ce qu'on fait, de la satisfaction, parce que, comme tu te dis, je fais des trucs, et je fais ça, bien, puis... C'est ça, tu te rends utile pour toi et en même temps tu divertis les autres et tu te dis. Et en plus tu peux t'exprimer simplement et comme tu dis, tu t'es toi-même et puis t'as l'impression, c'est un peu une sorte, comme disait Vanjie, un exutoire, un moyen de t'exprimer, un moyen de te dire, je fais ça et puis je m'assume, puis j'assume et puis c'est cool. Et puis voilà, on accepte. Mais c'est ça aussi, moi, que. Moi, si je devais le dire, c'est que ce que j'ai découvert. Au fil de ces émissions, c'est que je vous ai découvert. Parce qu'en fait, à la base, vous étiez juste pour moi soit des personnes que je voyais par écrit, vous étiez des lettres, pour moi, vous étiez des pseudos, vous étiez des images. Des émojis. Des gifs à la limite. Et puis en fait, petit à petit, vous êtes devenus des voix, et puis après, vous êtes devenus carrément des personnes, voilà. Et donc, c'est assez génial. Enfin, je sais que. Cette évolution-là, enfin, je l'ai vu avec n'importe qui d'entre vous. Comme je disais, Krix, qui au début, on se connaissait pas du tout. Même t'arrives sur le projet, limite, on s'était jamais parlé. T'arrives comme ça et tout. Et puis en fait, au début, dès le début, on se connaissait pas. Et puis moi, je te dis, alors le logo, tu le fais comme ci, tu le fais comme ça et tout. Et puis le pauvre, il s'exécute et puis il me fait des trucs super bien. Mais c'est... Moi, j'aime faire de l'infographie. Eh oui, mais c'est ça. Mais donc, c'était génial ton implication là-dessus. Aldo, comme tu le disais, toi, au début, t'as démarré, t'avais pas forcément. Tu osais pas, tu vois, forcément au début, et puis pourtant tu y as été de toi-même. Puis moi, je l'ai même pas décelé au début, tu vois. Tu m'as rien dit, et puis pour moi, t'étais comme n'importe qui, quoi, pas quelqu'un qui stressait plus qu'un autre. Et puis, petit à petit, après, on avait fait un podcast, et puis on a fait une vidéo collection aussi. Parce que pour moi, ça, c'est ce qui, tu vois, c'est ce genre de choses, et puis c'est grâce à l'émission, vous voyez. Là, ça marche aussi avec l'émission. C'est qu'en fait, les vidéos collections, c'est pour moi ce qui m'a toujours greffé les plus gros liens avec les gens. Parce que vous regardez les premières vidéos collections, je vais citer comme ça que quelques noms, que ce soit Vorlex, pas Jorlex, mais Vorlex, que ce soit Steven, que ce soit... Pourtant, Jorlex, il y a de quoi faire dans une vidéo collection. Lui, c'est une saison. Oui. C'est 12 saisons de... Oui, c'est comme ça. Comme Lost, quoi. C'est... Ouais, et puis je sais pas, que ce soit Maul, que ce soit... Il y a plein de personnes.
je veux pas tous les citer, mais oui, il y avait Omega en plus qui est revenu, quoi, qui est revenu après, ans à l'époque, non ouais, c'est au moins 4-5 ans après et tout ça, que ce soit Scott, que ce soit bon, et puis j'oublie des gens, mais le but c'est ça, c'est qu'à chaque fois toutes ces personnes là on est restés tous en très bons termes. Et puis même, on s'était refait carrément un appel il y a pas longtemps où on s'est tous retrouvés et c'était génial. Et donc ça a greffé des liens. Et en fait, grâce à cette émission aussi, vu qu'on se voit et tout ça, qu'on se parle et tout, ça greffe aussi des liens. Mais comme je disais, tu vois, avec toi, donc Aldo, bah ça a permis ça. Et puis aujourd'hui, tu vois, t'es là. Vanji aussi, Vanji, tu vois. Toi, c'est pareil, tu dis que t'étais là. Moi, je te connaissais même sous un autre pseudo, une autre image, etc. On avait échangé comme ça, toi. Parfois, si tu me disais, ah tiens, j'aimerais bien que tu lises ma fanfiction. Et puis, au final, 4 ans après, je l'ai lu. Finalement, je ne pensais jamais de la lire, mais tu vois, je l'ai lu. Et puis. Tu pourrais faire une vidéo quand même réaction. Hein. un coup de gueule à la limite. Moi, un coup fous, de gueule. Non, mais tu vois, mais c'est ça. En fait, on avait pas mal échangé. Et je crois que t'avais été des fois dans certaines communautés ou certaines discussions ou des moments, je sais qu'on avait, en fait, par moment, tu m'envoyais des messages, on discutait un moment, puis après on rediscutait pas pendant des mois ou, je sais pas, Discord, c'est un peu comme ça. J'étais pas souvent, en fait, j'utilisais Discord, ouais, c'est pas connu, c'est qu'à l'époque, j'utilisais pas souvent et je m'y suis mis beaucoup dessus quand, parce que j'ai un autre groupe pour les jeux en ligne. Maintenant, je joue plus quasiment en ligne parce que je passe beaucoup plus de temps après. Non, mais en vrai, je me suis totalement libéré des jeux multijoueurs ou qui demandent, enfin, qui me bouffaient mes week-ends, je jouais 6 heures d'affilée avec des potes. Je le fais plus. Mais voilà, après, c'est pas grave. Hein. Si j'ai plus envie, je peux me forcer. Et donc, Discord, j'y étais pas souvent. C'est pour ça que j'écrivais pas dessus. Beaucoup. Mais maintenant, j'y suis dessus tout le temps. Et puis, non, mais puis même après, je sais pas, je pense que ce qui a tout fait éclore pour moi, qui m'a fait vraiment te connaître, c'est l'émission. Et en fait, je regrette pas du tout. Parce que voilà, t'es comme tout le monde ici, voilà, t'es quelqu'un de super sympathique, mais que j'ai connu il y a au moins 4 ans, mais qu'en fait je ne te connais vraiment que maintenant, tu vois. Et en fait, non, tu me connais pas encore. T'as pas vu ma vidéo collection. Non, c'est vrai. Il faut que je fasse une vidéo collection avec tout le monde, comme ça moi je vous connais au moins parfaitement. Mais voilà, c'est pour dire que tu vois, pourtant ça fait longtemps, mais aujourd'hui et puis je regrette pas. Et puis Ori. Tu vois, Ori, toi, nous, on s'est connus. C'est un autre concept aussi de ma chaîne qui rapproche. Pour le coup, il n'y a pas le visuel, mais c'est les podcasts, tu vois. Et moi, je t'ai découvert à travers le podcast. Et je me souviendrai, et je me souviendrai tout le temps, de ce moment, de cette heure et demie, peut-être qu'on a passé ensemble. Et en fait, je t'ai découvert tout au long de ce podcast. Et limite, au début, on ne se connaissait pas. On se disait, voilà, vas-y, tu vas me dire un petit peu ce que tu appréciais et tout. Puis on finit le podcast. Moi, je te dis, mais t'es quelqu'un de formidable. J'ai adoré discuter avec toi et tout. Et puis, à la base, voilà, je connaissais que ton pseudo, ton image, tu vois. Et puis, petit à petit, voilà, et puis après, il y a eu des face reveals et tout, tu vois, puis maintenant, tu fais partie des chroniques de l'ordre, tu vois, t'as été adoubé et tout, et mais moi, je suis pas mécontent, et puis même, tu vois, je suis content aussi que t'aies proposé tes services, parce que t'es aussi quelqu'un qui me proposait souvent des idées, tu vois, et qui a été très, tu vois, initiateur de, tu vois, de rien que ton envie et tout, et puis même tes participations lors des débats. À chaque fois, tu vois, t'étais peut-être la personne des fois qui avait la. 3h du matin ensemble avec lui parce qu'il parlait, il parlait, on débattait. Après, c'est vrai que vous restez débat, souvent, oui. Débat. Oui, c'est ça. Et puis, donc, t'as toujours été quelqu'un d'extrêmement volontaire, d'extrêmement, tu vois, impliqué. J'adore les et tout. Débats, moi, tout à fait. Ouais, et puis ça se voit. Et puis même, voilà, et puis aussi reconnu comme étant quelqu'un qui n'était pas forcément toujours d'accord avec la majorité et tout. Justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, ça me fait trop parce que il y a tout le monde qui est là. Ouais, on s'accorde sur un truc. Ouais, c'est vrai que ça, c'est bien. Mais là, Ori? Non. Non, moi, je suis pas d'accord. Mais ça, c'est génial. C'est génial. Et je vais te dire, et c'est ça qui est super cool. Et puis, tu vois, aujourd'hui, moi, je suis bien content de vous avoir dans l'équipe et tout ça. Et puis, même quand il y a d'autres personnes, évidemment, je veux pas oublier toutes les autres personnes qui ont participé. Mais vraiment, l'aboutissement de tout ça, que ce soit les Chroniques de l'Orne, mais même de manière générale, que ce soit le Discord, que ce soit la chaîne et tout, c'est vraiment, en fait, simplement que j'ai appris à vous connaître et que, pour moi, ça va au-delà d'une chaîne, que ça va au-delà d'un concept, ça va au-delà d'une émission, c'est que c'est une amitié, quoi. Et que moi, par exemple, moi, il y a un truc que je kifferais, ça va pas être possible pour tout le monde et ça va pas être possible tout de suite non plus, mais c'est que moi, je reviens en France, mais ce serait de vous voir, chacun d'entre vous, ou alors qu'à un moment, je sais pas, il y a un moyen de se faire une rencontre, tout ça, qu'on aille se voir, comme je l'avais fait déjà, si vous allez voir mon vlog de Rogue One, j'avais fait un vlog Rogue One où il y avait tout le monde et tout, c'était des gens que j'avais connus par internet, mais je kiffe ça. Et si à un moment, genre, on peut
peut se voir, on se fait genre un ciné où on se fait, je sais pas, une bouffe, où on va se balader, où on se fait un truc. Où... Mais moi, mais ce serait le kiff le plus total, parce qu'en fait... Perso, je suis de décor, moi. Bah ouais. En plus, en Bretagne, oui. Grosse liande. Mais non, mais parce que moi, je me rends compte d'un truc avec tout ça, et je me rends compte depuis très peu de temps, enfin, pas très peu de temps, mais depuis dernièrement, et puis avec le confinement et tout ça, c'est qu'en fait, le fait de connaître des gens, le fait de se créer des amitiés, et puis que c'est pas parce qu'on est loin, c'est pas parce qu'au début, je sais pas, on peut se parler que par écrit, que par la voix, ou se voir comme ça, que c'est pas des vraies amitiés, vous voyez ? Et pour moi, ça a plus de valeur et plus d'amitié parfois que même des gens que je peux rencontrer en vrai. Et moi, il y a vraiment un truc, c'est que bah, quand j'apprends à vous connaître, que ce soit à travers les podcasts, que ce soit à travers les vidéos collections, que ce soit à travers les émissions, un truc comme ça, pour moi, ça crée des liens super forts. Et je suis pas quelqu'un à la base qui est très j'ai vraiment des énormes liens avec les gens et tout. Et pourtant, et ben depuis que j'ai ma chaîne et que je rencontre des gens, que ce soit les premières personnes via les premiers vidéo collection ou même maintenant, et ben pour moi vous êtes vraiment des potes quoi, mais des super potes, et je suis vraiment super content de vous connaître parce que vous êtes tous différents, vous avez tous une personnalité, vous êtes tous, enfin je sais pas, vous avez tous vous-même quoi, vous avez tous quelque chose, et en fait je sais pas, j'ai envie de vraiment d'en continuer à vous connaître et tout, vous voir en vrai, de... Je sais que par exemple Viens faire un hug. Mais non, mais regardez, je vous donne un exemple tout con. Je vous donne un exemple tout con. Avec Maul, donc quelqu'un que je connais depuis les premières vidéos collections, on s'appelle parfois, comme ça, on se fait des podcasts, mais que ce soit des podcasts, regardez le podcast avec Rocky, mais après on a continué à parler, quoi. On a arrêté le podcast, on a continué à parler. Et puis des moments, on parle pendant 2-3 heures. Et ben à la fin. On a perdu Crix. et ben à la fin. À la fin du podcast, j'ai dit à Maul, bah vas-y, peut-être en juillet, je vais pouvoir revenir en France. Je dis, tu sais quoi, moi, c'est une chose qu'on n'a jamais fait. Je veux dire, on se connaît depuis tellement de temps, on parle tellement de temps ensemble et tout. Il y a un truc que j'ai envie de faire, je veux qu'on se voit. Et limite, c'est quoi, on se voit, on se fait une balade ou alors on va faire un truc de sport ensemble et tout, parce qu'il aime bien le sport et tout. Je dis, vas-y, on se fait un truc de boxe, parce qu'on avait regardé Rocky. J'ai dit, vas-y, on se fait un truc de boxe. Je serais revenu avec un truc. Et puis. Un panard bleu, là. Non, mais je sais pas. Et puis je dis, le soir, on se fait un ciné, ou alors on se commande une pizza devant un bon film et tout, on se refait Rocky 1 et tout. Et puis il était là en me disant, mais ouais, vas-y, on se fait ça, je suis trop chaud, tu sais. On sentait qu'on était vraiment, on avait envie de faire ça. Et limite, moi, si je pouvais, mais je ferais ça, mais avec chacun d'entre vous. Et vraiment, enfin, moi, je... Les gens, on se fait un Disneyland. Mais, oh, mais bah, à partir du 4 avril, ça rouvre, en théorie. Tu rigoles, Aldo, mais avec un autre, avec Steven, un autre avec qui j'avais fait les vidéos collections, et vous pouvez retrouver le blog aussi sur ma chaîne, j'ai fait un Disneyland avec lui. On a fait un Disneyland. Mais ces genres de moments, ça reste gravé dans l'esprit. Et je sais qu'à un moment, j'avais fait... Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, mais je vais vous laisser aussi. C'est autour d'aller pleurer. Mais j'avais fait aussi une vidéo où j'avais fait un live où même j'avais réuni des personnes. C'était des personnes, j'avais réuni Rexo et punaise, je me souviens plus de son prénom. Putain, je suis désolé, surtout tu regardes ça, je suis désolé. Mais, des fois, je connais les pseudos et là, il y en a aucun qui me revient. Mais j'avais fait comme ça une rencontre à Lyon et tout. On avait marché et tout dans tout Lyon. On avait découvert, on avait vu un musée, des vieux trucs, mais de la pop culture, quoi. Mais c'était génial. Donc, ouais. Enfin bon. Donc voilà, c'est tous des moments qui restent gravés et que. Ouais. Moi, j'ai même envie de dire que parfois, dans la vraie vie, quand tu rencontres quelqu'un, il y a une facette une façade de, tu sais, de sécurité, de protection. Les gens sont pas forcément tout de suite naturels. Alors qu'en ligne, on parle sur un Discord en plus où c'est notre passion. Il n'y a pas de façade. On est à cœur ouvert, entre guillemets. Quoi. C'est ouais, ça. Il faut savoir que moi, par exemple, je ne donne pas quelqu'un en vrai. Je donne pas ma confiance ni mon amitié comme ça, en fait. Je me souviens d'un jour où il y avait des amis à moi. On avait rencontré une personne dans la rue pendant un feu d'artifice. La personne, moi, je ne parlais pas parce que je ne connaissais pas. J'étais en train d'essayer de voir... qui sait tout, et la personne me disait, mais t'as un balai dans le cul, ou autre chose, je lui dis, non, je te connais pas, je vais pas, pas parler avec toi comme ça, alors que je te connais pas. Mm. Et franchement, avec vous, j'ai découvert franchement de vrais amis. C'est génial. Et en fait, pour moi, la Kishi Family, c'est comme le nom l'indique, une famille, donc, pour moi, donc voilà. Bah écoute, c'est... Mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais avec ton truc sur la tête, toi? Comment tu veux garder ton sérieux?
On n'a pas le droit d'avoir son propre style ici. C'est pas parce que l'autre il a une c'est pas parce que Crix il a une casquette pouf souffle que tu dois avoir un tissu cerf d'aigle. Eh bien je suis jaloux, donc je voulais avoir mon Trifon d'or, pardon. C'est quoi? Ah, je pensais que c'était un truc de Harry Potter. Pour la petite histoire, Kishni, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au débat. Parce que moi, avant, je regardais les débats, oui. Et j'étais là en mode, ah, oh, putain, ils sont trop cool. Et je me rappelle, il y avait deux chroniqueurs que j'adorais, enfin, deux intervenants, je les appelle ouais. Intervenants, j'étais fan, à chaque fois j'écoutais, ah, oh, ils sont trop cool et tout, ils disent et tout. Ah, non, je vais pas dire. Oh non. Je vais pas dire. Il y en a un, j'ai oublié le nom, donc... Alors attends, est-ce qu'il est dans l'épisode 6? Hein? Dans l'épisode 6? Non, mais non, mais c'était... Ah, d'accord. Ah oui, pour les The Chosen One. Est-ce qu'il est dans l'épisode 6? Et du coup, j'étais là en mode, ah, oh, mais j'ai envie de débattre avec eux, ça va être trop cool et tout. Et du coup, un jour, je t'ai dit, ouais, comment on fait pour débattre? Et du coup, j'ai rejoint. C'est pas moi, parce que je suis arrivé a priori, donc... Il me semble qu'ils étaient pas là, donc... C'est pas Crix non plus, parce qu'il me semble qu'il a fait le premier débat pas longtemps avant moi. Ah, moi je dirais pas, mais j'avais mes intervenants préférés. D'accord, d'accord. Des gens peut-être même qui sont plus là. Ah, peut-être. Normalement, il y a des indices, il me semble qu'il y a des indices. Il y a des indices. Mais on va trouver, t'inquiète pas. Moi j'en ai un en tête, mais c'est pas... on verra ça. Pas de favoritisme, ok, c'est bien, bon esprit. Bon, allez, je vais vous laisser dormir parce que faut que je bouffe moi, parce que sinon je vais me dessécher. Oh le bruit, Ori. Oh là là, le Ori, bruit. Ça fait du bruit. Ça fait quel bruit? Ah, ah bah. Comme si t'étais à la plage. Non, c'est juste, je viens de me prendre un ouragan dans la gueule quoi. C'est tout. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouais, là, on va le dire, mais il est quand même minute 25 là. Ouais, ouais. Allez. Et allez, on arrête l'appel. On avait dit qu'on ferait ça une demi-heure et ça fait deux heures. C'est ça, exactement. Comme la chanson le dit, pour le plaisir. Tu sais que t'es enregistré. Ah, il y a moyen de flouter le moment où je fais ça. Bon bah tiens, il a une bonne idée. Allez, retournez bien à vos occupations. C'était cool. Hein. Hein. Moi, j'ai bien aimé parler de ça avec vous. Retournez bien à vos occupations. Ciao à tous et que la force hein, soit avec vous tous et pour aussi à l'avenir ouais. À les autres. Ciao. 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 Ciao.